n'a pas entendu parler du nouvel ordre mondial? Quel économiste n'évoque pas une finance mondiale? On nous dit que sans cette gouvernance mondiale, l'avenir n'est pas possible. Derrière toutes ces déclarations, que se cache-t-il véritablement? Certains disent les francs-maçons, d'autres les Illuminati, et certains vont jusqu'à prononcer le mot extraterrestre. Mm-hmm. Pour bien comprendre tout cela, j'ai appelé l'homme des secrets. Je dirais même du top secret. Rock Soccer, salut Rock. Oui, bonjour Bob. Comment ça va? Ça va bien. Bon, ravi de t'accueillir une nouvelle fois, Rock. On va évoquer, bien sûr, ce nouvel ordre mondial qui fascine, qui déroute et qui fait peur à certains. Alors, à partir de quand on a commencé à parler de ce nouvel ordre mondial et qui est à l'origine de l'affaire? Qui a révélé l'affaire d'abord, Rock? En fait, celui qui a révélé l'affaire, le plus grand ennemi, le farouche ennemi du nouvel ordre mondial, était un journaliste canadien. Il s'appelait Serge Monast. Ah. Et c'est lui qui va vraiment dénoncer l'agenda entre guillemets Illuminati, hein, puisque là dans l'émission on va parler d'un sujet un peu culte de Bien la conspiration, qui est le programme Bluebeam. Et ce programme Bluebeam a été révélé au début des années 90 par ce journaliste. Ouais. Alors c'est vraiment une figure, hein, c'est une figure incontournable de la conspiration. Il faut savoir qu'il est mort en 96, ouais. Quelques années seulement après avoir fait ses révélations. Naturellement ou un accident ou... Alors il est mort, il avait 51 ans et il est mort dans des circonstances assez douteuses, on va dire, et on a parlé de crise cardiaque. Donc ça, c'est après, évidemment, là, on est aussi dans le, c'est cultissime par rapport à la conspiration. C'est tragique, c'est la mort d'un homme. Mais en plus, il est jeune, 51 ans, et il va mourir d'une crise cardiaque alors que c'est quelqu'un qui va avoir dénoncé le premier, hein, il faut savoir, le premier, même avant, je crois même avant les anglo-saxons, le programme de la puce électronique, vous savez, l'implant. Bien sûr, RFID. La RFID. Ouais. Et donc c'est ce bonhomme-là. On est dans les années 90. On est dans ces figures des années 90. C'est vraiment les premiers révélateurs de la conspiration. C'est des gens hyper informés, journalistes et qui ont des réseaux très haut placés qui vont leur parler de programmes nés dans le cerveau d'employés d'officiers de certaines officines. Oui, on s'aperçoit que dans ces cas-là, la crise cardiaque, elle a souvent bon dos, hein, quand même. Ouais, hein. Elle marche bien. Hein, c'est vrai qu'il y a quelques cas comme ça de personnes qui ont un peu trop parlé, et soit c'est la crise cardiaque, soit c'est le cancer dans les deux ans. Hein. Ouais, bien sûr. Alors, classique. On parle de nouvel ordre mondial. On va écouter. J'ai sorti pas mal de déclarations d'hommes politiques concernant ce nouvel ordre mondial, parce que je me suis aperçu que c'est vrai qu'à partir des années 90, on commence à évoquer de plus en plus ce nouvel ordre mondial. On voit des gens aux quatre coins de la planète évoquer ce nouvel ordre mondial. Et puis, côté français, bien sûr, on n'est pas en reste, avec notamment, tiens, Nicolas Sarkozy en 2008. C'est le 23 octobre, il est en meeting, et écoutez ce qu'il dit. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du 21e siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique, social, assis sur de nouveaux principes et de nouvelles règles. Alors quand on entend ça, moi je suis spectateur de ce meeting, bon j'y étais pas, hein, mais en tout cas je me dis tiens, le mec se dit que on ne peut pas aller contre la mondialisation, il va falloir que l'on se serre les coudes. On se dit au début tiens, c'est pas mal finalement, il va falloir faire tomber les frontières, les dogmes, etc. Puis on va avancer. Et puis c'est beaucoup plus machiavélique que ça. Effectivement, donc on a vu depuis les années début 90... pas mal de chefs d'État, ça a commencé avec Bush senior, mais ensuite son fils Obama aussi, bien le sûr. Pape lui-même, et ouais. puis Sarkozy à plusieurs reprises. Ouais. Une première fois, un discours aux ambassadeurs, il avait annoncé donc le nouvel ordre mondial en disant que nul ne pourrait y résister. Ouais, c'est ça. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Ne pourra résister au nouvel ordre mondial. C'est un peu comme un code, comme une marque du plan Illuminati, une signature subliminale. Ouais, c'est comme ça que, en tout cas, le conçoivent les conspirationnistes. Et Serge Monast, qui a été le premier à révéler tout ça.
C'est incroyable parce que, et à côté de ça, quand on sort du cadre, genre c'est bien pour vous, on est tout de suite taxé de complotiste. C'est-à-dire que voilà, on est dans la théorie du complot. Et alors c'est assez marrant parce qu'on a la sensation aussi qu'il y a une certaine catégorie de journalistes qui adhèrent complètement à ce nouvel ordre mondial. Hein. Bien sûr. Alors en plus, le terme complotiste, c'est un nouveau terme qu'ils ont inventé, ouais. Hein, parce que normalement c'est conspirationniste à la base, mais c'est une façon encore plus de réduire encore plus les gens qui se posent des questions, si vous voulez, ce sont des complotistes. Ouais. C'est vraiment le niveau encore en dessous du dessous. Mais pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, hein, ça pourrait, quand on entend la première fois le mot nouvel ordre mondial, tout on se dit, bon, peut-être une fraternité mondiale. Ben oui, on n'est pas du tout dans ce registre-là. Ouais. En fait, il s'agit d'une dictature mondiale implacable qui se sert de la technologie, c'est-à-dire que il faut imaginer un dictateur comme on en a toujours connu dans l'histoire humaine, ouais. Mais qui bénéficierait des technologies les plus abouties, les plus en avance. Aujourd'hui, ça voudrait dire que c'est un monde aseptisé qui serait créé en très peu de temps, ouais. Avec une humanité réduite à l'état de robot qui perdrait définitivement son libre arbitre. Hein, c'est-à-dire que c'est 1984 d'Orwell, ouais, c'est ça. Avec un mélange de monde parfait. Oui, c'est Big Brother, quoi. C'est tout simplement ça, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc là, on n'est plus du tout, enfin, il y a plus grand chose de bon à attendre de ce genre de nouvel ordre mondial, si tu veux mon avis. Et alors, on n'est pas dans le monde, dans le nouvel ordre mondial des bisounours. Ouais, alors, c'est ça. Et pour ça, il faudra repasser, quoi. Alors, ce soir, jusqu'à 23h avec Rock Soccer du magazine Top Secret, nous parlons du Blue Beam Project, parce qu'on va le détailler, ce projet, ce nouvel ordre mondial. Celui qui a révélé cette affaire, Rock, tu le disais, c'est Serge Monas, donc ce Canadien. Il a défini ce projet en plusieurs phases, lui. Absolument. Hein, donc, le projet Blue Beam, donc, son objectif, c'est d'aider à l'instauration d'une nouvelle ordre mondiale. Et pour ça, le nouvel ordre mondial, dont on parlait il y a 5 minutes, il va avoir besoin d'une philosophie commune à tous les peuples. Et en fait, de philosophie sera une religion. Parce que on connaît rien de tel pour tenir les masses qu'un bon culte religieux. Et ça marche comme ça depuis des millénaires, il n'y a pas de raison de changer de méthode. Ouais, c'est pas prêt de s'arrêter. Voilà. Et l'instauration de cette religion nouvelle, c'est le secret, c'est l'articulation principale du contrôle mondial. Ouais. Sans ça, il n'y a pas de nouvel ordre mondial possible. Et donc, pour imposer cette religion, la méthode, c'est l'opération Blue Beam. C'est un programme qui a déjà commencé dans la première phase qui était dénoncée par Serge Monas a déjà commencé. C'est une phase psychologique cette première phase, c'est la remise en cause de l'ordre ancien. C'est la remise en cause des valeurs, des connaissances scientifiques, mais ça passe aussi par des découvertes archéologiques qui vont montrer l'erreur, la falsification des doctrines du passé. Non, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, là encore une fois, si je prends le bon côté de la chose, je me dis finalement ils vont peut-être expliquer qui a fait les pyramides, l'île de Pâques, etc. Très peut-être. Juste. Eh oui. Très juste. Bah exactement ça. C'est exactement ça. Tu sais, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Il faut effectivement, on va apporter de la vérité là en l'occurrence. On va dénoncer des choses, mais c'est pour mieux vous retourner la tête. Ouais, c'est ça. Et là, le but c'est la remise en question profonde de la croyance traditionnelle. Le cinéma c'est un très bon vecteur pour faire ce boulot de cette première phase psychologique. Alors on peut penser à des films comme pour nous les chrétiens. Pour les chrétiens, ça va être les films comme Le Tombeau. Ouais, génial. Encore le David Chicode. Alors, Le Tombeau, c'est avec Antonio Banderas, je crois, hein, c'est absolument, ça. Absolument, absolument, où il découvre la tombe d'un personnage qui aurait été Jésus, enfin, ouais, etc. Ça. Et donc ça démontre. Enfin, et on va pas raconter le, on va pas spoiler, comme on dit, mais ouais. Et puis alors il y a le Da Vinci Code, ouais. Hein, qui est aussi dans ce registre-là, mais il y a dans la vraie vie, il y a des découvertes archéologiques, des découvertes de d'évangiles apocryphes, etc. Ouais, bien sûr. C'est toute une remise en question des traditions et des religions anciennes, ouais. Bon, qui sont en réalité qui procèdent d'une préparation psychologique
des populations. Hein. Cette phase-là, elle est bien avancée en Occident, ouais. Et ces notions, elles sont présentes, peut-être subliminalement par rapport à l'ensemble de la population qui préfère s'occuper de football ou de choses comme ça, mais elles n'attendent plus que l'événement pour prendre racine et pour prendre sens dans la tête des gens. Ouais. Hein. Bah, en tout cas, on va continuer à parler de tout cela, Rock, dans quelques instants, juste après la pause. Il y a pas mal de questions qui arrivent, mon Elliot, sur la page Facebook. Ah oui, il y a une question pour savoir si effectivement dans le projet Bluebeam, il n'est pas prévu de réduire la population sur Terre, passer de 7 milliards à 2 milliards, on nous dit. Alors ça, Rock, quel est ton point de vue là-dessus ? Ça fait partie, c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant de nouvel ordre mondial, ça fait partie donc du programme du nouvel ordre mondial, c'est un plan qui se décline sous plusieurs appellations, c'est qu'on n'est pas vraiment à proprement parler dans le domaine du Bluebeam, mais on est dans le domaine du nouvel ordre mondial, puisque comme je vous disais, avec la technologie, rien de plus facile que stériliser une population via l'alimentation, via des programmes alimentaires, ou de la vaccination, etc. Et auquel cas, vous avez votre population qui va se réduire naturellement, si vous voulez y aller plus brutalement, plus rapidement, vous avez des épidémies, etc. Enfin, c'est ce que j'ai appelé la dictature aseptisée. On rentre dans une dictature où il y a très peu de gens qui vivent un peu dans des trucs sous cellophane, très propres, très machin. C'est le meilleur des mondes. Alors, Rock, je te propose d'écouter François Hollande, cette fois-ci, qui est depuis un an et quelques semaines maintenant notre président de la République. Et voilà ce qu'il disait en université d'été au PS, c'était en 2008. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire autour de trois principes que nous portons depuis des années, les socialistes, mais pas simplement les socialistes, tous ceux qui ont une conception multilatérale de l'organisation du monde. Voilà, et voilà, une organisation unilatérale, en fait, une pensée unilatérale. C'est-à-dire que c'est ça qui fait un peu peur, parce que moi, on m'a toujours dit que les différences étaient un je sais pas, quelque chose de positif, non ? Bah oui, mais attention, Bob, hein, tu vas finir par devenir un conspirationniste. Hein. Moi, j'observe, hein, moi, je sais, j'expose et les gens disposent. Tu le sais bien, c'est-à-dire que. Je suis exactement dans cette démarche. Mais oui, je fais ce constat-là tous les jours. C'est vrai que il y a vraiment deux discours, quoi. Il y a ce qu'on observe dans la réalité, et c'est la direction que prend le monde. On se rend compte que l'Union européenne, si on analyse son fonctionnement, ça ressemble, et on en parle d'ailleurs dans Top Secret, ça ressemble vraiment de plus en plus à une étape obligée vers ce nouvel ordre mondial, vers cette dictature mondiale. Enfin, donc il y a énormément à réfléchir, à penser là-dessus. On a vu que c'était une remise en question de l'ordre ancien, des philosophies anciennes, des doctrines et même des connaissances scientifiques anciennes. Mais il faut aussi voir qu'il y a une nouvelle philosophie qui est derrière, qui a été aussi amenée, hein, donc celle du discours politique, mais aussi, pour revenir au Bluebeam, un discours plus philosophique, plus religieux, qui va être véhiculé par toutes les idées New Age qui ont eu cours depuis 30 ans, qui se répandent à travers le monde, hein, à travers les continents. Et alors c'est les idées des frères de l'espace qui prennent soin de nous, qui arrivent pour nous sauver, si vous voulez. Ouais. Et donc ces idées New Age, elles aussi, depuis 30 ans, 40 ans, elles ont fait leur chemin. Elles ont été imaginées, favorisées par des officines secrètes, hein, ouais, il faut le savoir. Ouais. Et là aussi, le cinéma a joué un rôle important. Donc dans cette nouvelle philosophie qui est en germination, si tu veux, on a le film Prométhéeus, par exemple, qui prépare bien les populations à l'idée des dieux extraterrestres. Et ben voilà, même si dans le film, en l'occurrence, les extraterrestres sont des méchants, ce sera pas le cas dans le programme Bluebeam. Je vous conseille d'ailleurs de voir ce film, qui est pas un très grand film, en tout cas, il est intéressant, c'est vrai, parce que il permet d'avoir une certaine philosophie. Alors, dans la deuxième phase de ce projet Bluebeam, révélé et répertorié par Serge Monas, qui a été le premier à évoquer ce Bluebeam Project, il y a quelque chose qui est assez déroutant, c'est la projection holographique. Et c'est pour ça qu'on a dit que la NASA pourrait être derrière également, ou en tout cas partie prenante de ce Bluebeam Project.
Bien sûr, toutes ces agences-là, qui sont des agences militaires, hein, la NASA, faut pas oublier quand même que 80% de ces, 90% de ces, ces opérations sont quand même des opérations militaires, sont partie prenante dans le programme Bluebeam. Tout ce qui est au plus haut niveau scientifique, c'est le programme Bluebeam. Enfin, seront en charge de ce programme. La seconde phase dénoncée par Serge Monnad, c'est le choc. C'est-à-dire, c'est une gigantesque mise en scène spatiale, effectivement à l'aide d'hologrammes optiques et puis sonores. Et tout ça en trois dimensions. C'est une projection laser d'images holographiques en divers endroits du monde. On a vu hier, avec la révolution en Égypte, les gens avec les lasers qui éclairaient des hélicoptères dans le ciel. Il faut imaginer ce que ça peut être comme laser quand c'est entre les mains de la NASA, de la NSA et de gens comme ça. Et en fait, quelles sont les images qu'on va avoir parce que si on décide de nous balancer des hologrammes, donc des projections holographiques, c'est pourquoi c'est pour qu'on voit Dieu, pour qu'on voit un Messie. Absolument. Pour... Ah bon? Alors, c'est un son et lumière qui va être disposé donc dans la haute atmosphère, toujours selon Serge Monnad. Mais il faut voir ça, c'était dans les années 90. Les gens l'écoutent. Ils avaient les yeux ronds et ils disaient mais il est fou ce gars. Et donc visible depuis le sol à des centaines de kilomètres à la ronde, puisque c'est dans la haute atmosphère, vous avez l'écran qui est très très haut, tout le monde voit ça, personne ne peut manquer le spectacle. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va recevoir, chacun en fonction de son pays et de ses croyances, va recevoir une image en accord avec la foi dominante de son pays. Et oui, mais alors moi, il y a un truc. Bon, je vois qu'aujourd'hui encore, bon, il y a quand même des tensions dans le monde. Est-ce que toutes ces tensions vont disparaître? Est-ce que ça voudrait dire que déjà derrière toutes ces tensions, c'est un peu un leurre et que de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a des réunions sous le manteau dans lesquelles on fomente déjà l'avènement de ce nouvel ordre mondial? On sait bien que, enfin, là, je n'ai pas les réponses par rapport à ça, mais on sait bien qu'une des grandes théories par rapport à la conspiration, c'est qu'il faut créer des crises pour pouvoir apporter des solutions. C'est le système action-réaction. Ah ouais, d'accord. Et donc, forcément, on peut supposer que certaines crises soient en fait provoquées artificiellement pour pouvoir apporter la solution qui convient et qui est dans l'intérêt de cette élite mondialiste. Alors là, on est vraiment dans la théorie du complot, c'est-à-dire qu'on fait, on rend malade le monde pour lui trouver en fait le médicament. Ça peut fonctionner comme ça. Peut-être que dans la vie, on peut se comporter aussi comme ça au quotidien sans même s'en rendre compte. Après, vous savez, il y a des gens, c'est leur travail d'imaginer toutes sortes de choses. Et tu penses qu'on sera psychologiquement, toi tu dis que le cinéma aujourd'hui est en train justement de nous envoyer un peu comme quand on parle d'extraterrestres, des infos pour nous mettre dans un état de réceptivité optimum? Absolument, on peut penser qu'il s'agit effectivement d'une préparation psychologique. La graine est plantée, après, les circonstances peuvent la faire germer ou pas. Hein, si vous imaginez le spectacle haut en couleur, le son et lumière auquel les gens vont assister, il faut comprendre qu'ils entendront la voix de Dieu. Qui parlera dans toutes les langues. Et chacun entendra clairement le message. Alors, s'il y a des tensions, on leur dira, maintenant, il faut vous embrasser les uns les autres, ou que sais-je. Vous voyez, tu vois ce que je veux dire? Moi, ce que je trouve génial, c'est qu'il y a quand même, il y aura toujours des gens. Ça me fait toujours penser au film, tu sais, on se souvient, je crois que c'était même dans Highlander, où il y avait une population qui vivait sous terre, etc. Dans tous ces films, tu sais, où t'as toujours un clan de rebelles qui veut pas se soumettre au diktat. Et on a la sensation qu'aujourd'hui, enfin, les gens qui réfléchissent un petit peu, qui voient un petit peu plus loin que le bout de leur nez, ils vont refuser ça quand même. Alors, ça va être très très difficile de ne pas céder à cette séduction. D'abord, il y aura la masse, 95% des gens qui seront à fond là-dedans. Hein. C'est le show spatial, les projections d'images, etc. Ça va être utilisé pour simuler la fin des temps. Parmi les nations. Donc, faut imaginer le choc. C'est ce que les peuples seront témoins de scènes qu'ils attendent depuis des siècles. C'est-à-dire, c'est des scènes représentant les prophéties de toutes les religions et les événements que chacun a eu comme rêve. C'est-à-dire le retour du Messie, etc. Tout ça sera
projeter grâce à un vaste réseau de satellites. Et franchement, ça sera, va être très dur pour les 5% de personnes qui ne sont pas dupes d'expliquer aux gens, mais attendez, tout ça c'est du bidon, vous l'avez expliqué avec le Bluebeam. Si jamais ça arrive, parce que la révélation ultime de l'affaire du Bluebeam, si ce programme-là a vraiment lieu et vraiment déclenché un jour, c'est que Dieu et les anges sont en réalité des entités extraterrestres qui ont favorisé l'évolution de l'humanité depuis le commencement des temps et qui ont guidé l'homme depuis la fondation des premières civilisations et la création des premiers cultes religieux. C'est une révolution dans la tête. Alors évidemment que ça sentira l'arnaque, mais ce sera très difficile de résister parce que ça va. Ils vont pas faire ça n'importe quand. Ils feront ça à un moment où l'humanité aura connu une période traumatique. Oui, c'est ça. Mais en quoi on peut imaginer quoi dans les 20, 30, 50 prochaines années? C'est quelque chose comme ça pour que tout le monde soit. Ça peut être plus rapide, mais donc on risque de le vivre nous encore. Ouais, on peut supposer qu'on puisse le vivre. Oui, c'est peut-être une question de décennies. Si jamais ces gens-là décident d'aller au bout de leur programme, les choses peuvent encore changer. Rien n'est inéluctable. Mais en tout cas, s'ils le font, ils le feront vraiment après une crise terrible et sous le choc, les populations accepteront comme logique ce qui leur a toujours paru inconcevable. Et puis, après, les gens déchanteront, mais dans un premier temps, ils prendront la main qui leur est tendue. Et pour t'expliquer à quel point ce sera difficile, c'est qu'il y a le troisième effet qui se coule, il y a la troisième phase de ce programme là qui est le coup de grâce, c'est que les gens entendront des voix à l'intérieur de leur conscience, c'est-à-dire qu'ils auront l'impression que Dieu leur parle directement dans la tête. Oula. Cette technologie, le pire, c'est qu'elle est peu connue, mais elle existe depuis longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il y avait une machine qui nous envoyait des messages télépathiques. Voilà, c'est l'ultime machine à miracle. Les systèmes d'émission de réception et les ondes ELF, VLF et ELF peuvent atteindre chaque personne à l'intérieur de sa conscience. Et donc, la personne qui sera touchée par ce phénomène sera persuadée que c'est son propre Dieu qui lui parle et qui lui donne des ordres depuis les profondeurs de son âme. Va-t'en toi après lui dire, mais non, tu sais, c'est Bluebeam, c'est une connerie. Ouais, bah, c'est ça. Hey, c'est flippant. C'était la caméra cachée. Et alors, tu peux faire entendre, comprendre des messages par audiogramme, à pulsion micro-ondes auditives directement envoyées dans le cerveau. Tout ça, c'est scientifique, ça existe, ces expériences datent des années 70. Alors, ça paraissait en 70 de la science-fiction, mais aujourd'hui, ça ressemble encore à de la science-fiction. Et pourtant, ces technologies qui sont peu connues sont entrées dans le domaine public. C'est-à-dire qu'on s'en sert même de façon ludique. C'est fun, c'est rigolo. Il y a des opérations publicitaires, commerciales, où t'as des passants qui passent sur le trottoir, ils sont tout un groupe, et la pub choisit un secteur de 30 cm situé sur le trottoir, et il y a que la personne qui passe à cet endroit-là qui va entendre le message publicitaire. Donc, tous ses voisins, les autres, qui sont à un mètre de lui, n'entendront rien. Et le type entend ça à l'intérieur de sa tête. Hundreds of people in the valley say they are hearing voices in their heads. And those voices are being transmitted by microwave or other methods. Well, several viewers asked us to investigate what they call electronic harassment. KMIR6's Angela Monroe joins us now with what she's discovered. Angela. Electronic harassment, synthetic telepathy, voice-to-skull technology. Chances are you haven't heard of these terms. But after searching the internet, I found dozens of websites dedicated to the phenomenon and several Valley residents who say they're victims. How much more can you invade me than to go into my brain? It sounds like somebody else is reading the book, only it's thoughts. We're not having a group hallucination. This is actually something that's happening. These men all live in the area, didn't know each other before the voices started,
and say someone is playing mind games with them. Mostly it's a lot of derogatory comments about whatever you're thinking about. Kevin Bond says he used to have a normal life. I was living in the San Diego area. I was clerking for a federal judge, and I noticed that I was being followed by a whole bunch of people. According to the websites, what Bond is describing is called gang stalking. He moved to Palm Springs to escape. I started hearing, as you'll hear, hearing voices and what they'll call voice to skull or microwave hearing. Bob Stansfield says his experience was similar and started a decade ago. They were active in following me around here, and I started hearing the voices a little bit after the vehicular stalking. Randall Ringer says the voices started when he was undergoing chemotherapy. The first thing that was said was, Randall Ringer. And I sat up straight and I went into the bathroom, and I looked in the mirror, looked myself in the eyes, and I said, did that really happen? Bond says he's found more than 300 victims locally and is tracking others across the state through billboards. In Johnson Valley, a Freedom House just opened to help people who believe they are being targeted. To many of you who find yourselves the object of covert harassment, that there is hope and that you are not alone, and that we are striving to find legislation and we're working towards freedom for all. Derek Robinson leads a national group called Freedom from Covert Harassment and Surveillance. He says he knows who's playing mind games. Rogue government officials that are sponsoring this. Also corrupt business officials and private citizens. And he also told us how. Most of it is delivered by microwave, and I believe it's satellite delivered. Bond says neurotransmitter chips that run off body electricity have been inserted into some people. And they assign cell phone numbers to them. The cell phone numbers are then run through a computer, and a computer translates your thoughts. This crime has been available to the military for 60 years. Ça, c'est des coups de pub qui ont été faits aux États-Unis, ouais. Qui montrent bien que cette technologie, elle exige, je n'invente rien, et menace, n'inventez rien. Et puis lui, et puis d'autres scientifiques, il y a même un prix Nobel, Baker, qui a parlé de ça dans un livre des années 70. Mmh. Mais vous imaginez la possibilité qu'offre ce genre de ouais, technologie en termes de simulation de miracles. C'est terrifiant. T'imagines, Bob, le nombre de Jeanne d'Arc qui va y avoir demain. Ah, bien sûr. Pour le coup. Rock Secker est avec moi ce soir du magazine Top Secret. Rock, c'est à la fois fascinant et à la fois effrayant, ce Blue Beam Project. Fascinant parce que on s'aperçoit que technologiquement, on est à un stade et on est allé très très loin dans la manipulation. Tu sais, j'écoutais une station d'info ce matin qui évoquait le Human Brain Project. On est en train aujourd'hui de recréer un cerveau avec la conscience. Tu sais qu'on a les imprimantes 3D aujourd'hui. Mm-hmm. Ouais. Et donc on est en train de recréer un cerveau avec de la conscience. Ça veut dire que demain on risque d'avoir un robot avec un vrai cerveau et qui va nous parler. Voilà, et qui va réfléchir surtout, qui va pas que parler, qui va réfléchir. Donc on se dit que technologiquement on sait pas où est-ce que ça va s'arrêter. Et si on arrive à faire ça, alors pour le coup, on va créer un dieu qui pourra nous parler, agir et nous faire aller mais comme des moutons là où il veut, hein. Absolument, et puis ce sera quelqu'un qui simulera, qui fera croire qu'il est un dieu. Bien sûr. Et on est arrivé effectivement au niveau des dieux. Mmh. C'est-à-dire que c'est un peu l'histoire de Babel qui se profile là. Alors, quel rapport avec ces fameux Illuminati? Pour terminer avec l'histoire de ce truc des voix dans la tête, là, on n'est pas là pour faire un cours de physique, mais il faut que les gens pensent maillage satellite autour de la planète, ARP, modification du champ magnétique, et donc de la chimie du corps humain. Et tout ça va faire que le jour où s'est déclenchée cette affaire-là, vous avez la chimie du corps humain qui est modifiée, donc l'état de conscience des personnes qui est modifié. Ouais. Vous allez avoir des milliers de Jeanne d'Arc qui vont être placées dans des sortes de transe ou d'extase mystique. Et là, ça va être très chaud pour tout le monde. Donc là, vous rentrerez vraiment dans un monde nouveau et qui va s'appeler le nouvel ordre mondial, qui est le rêve des Illuminati.
Oh, c'est incroyable. T'imagines si j'avais la possibilité de dire à chacun de mes auditeurs, écoute-moi ce soir. À chacun des citoyens français, mais dans le monde. Écoutez-moi. Vous dites toute la vérité. Non, on en rigole, mais c'est vrai que c'est effrayant parce que on sait toujours, comment certaines personnes après peuvent utiliser ces technologies et ça fait très très peur. Donc, les Illuminati, on a parlé également des Anunnaki. C'est-à-dire que les extraterrestres qui seraient derrière tout cela, quel est ton sentiment, toi? Quand tu vois ça, tu te dis quoi? Je n'ai que des questions. J'ai aussi des hypothèses, mais ça nous entraînerait vraiment trop loin et ça nous éloignerait du Blue Beam. Mmh. Les Illuminati, on va dire que c'est un terme générique. Ouais. Qui veut dire que ce sont des gens qui tirent les ficelles parce qu'ils en ont le pouvoir. Parce qu'ils ont le pouvoir, les moyens, et puis le background. On pourrait imaginer que ce sont effectivement des gens qui ont reçu le pouvoir. Si on se réfère au texte ancien, au texte sacré, etc., parce que ils sont de la lignée des extraterrestres, des fameux extraterrestres ou des fameux dieux ou faux dieux qui ont influencé l'histoire des hommes. Je crois qu'il faut vraiment que les gens comprennent, c'est que on devrait tous se poser des questions. Ça fait partie du boulot. On est là pour essayer de chercher une vérité et de rester ouvert et tolérant à tout. Et puis surtout, toujours responsable de nos vies et de notre propre bonheur, et que ce soit pas quelqu'un qui essaye là de la diriger, quoi. Donc tout simplement. Oui, et de nous dire ce sur quoi on a le droit de réfléchir, et puis ce qu'il faut laisser tomber. Je crois qu'il faut être fort de ce côté-là et décider de soi-même, de savoir quelles sont les questions qu'on a envie de creuser. Pour en revenir au Blue Beam, moi je ne sais pas s'il faut y croire. C'est à chacun aussi de se faire son idée. Mais en tout cas, s'il y a vraiment une volonté d'instaurer de nouvel ordre mondial, ça passera forcément par une religion commune. Parce que la religion, c'est vraiment fondamentalement ce qui divise l'humanité. Et il y a même à l'intérieur même des religions, il y a encore des divisions, bien sûr, etc. Bien sûr. Bon, le Blue Beam, c'est le programme pour instaurer cette nouvelle religion. On va continuer à en parler, si tu le veux bien, Rock, juste après la pause de ce Blue Beam Project. On verra également que on va parler de déstabilisation et de fanatisation, peut-être avec l'antéchrist, parce que peut-être qu'il va falloir créer, bien sûr, une religion commune. Mais est-ce que c'est pas le mal qui va reprendre, qui va nous être proposé, ou en tout cas celui qui est caché en embuscade. Vous avez frappé à la bonne porte si vous pensez que l'on nous ment, que l'on nous cache des choses. Ici, j'expose toute la vérité entre 21h et minuit. Et tout à l'heure, du côté de 23h, nous aurons Yannick Lecam pour évoquer quelque chose d'assez incroyable, le conscient et le subconscient. Ah. Et voilà, il s'en passe des choses dans notre tête. Vous verrez tout cela dans quelques instants. Et puis, en dehors de notre tête, en tout cas, notre tête intéresse beaucoup de monde, et notamment ceux qui sont derrière le Blue Beam Project, puisqu'il semblerait que avec les nouvelles technologies, on puisse influencer nos vies grâce à des messages subliminaux que l'on percevrait. En tout cas, on parle tout cela avec Rock Soccer ce soir, du magazine Top Secret, le Blue Beam Project qui a été pour la première fois révélé par Serge Monas, donc un journaliste canadien. Je disais, Rock, juste avant la pause, que... on va parler, on va évoquer bien sûr cette religion commune. Déjà, il va falloir que chacun accepte ce qui est plus qu'une seule religion. Donc, quel est le travail qui va être fait pour que les gens acceptent tout cela, quand même? C'est quand même assez dingue. Et on a l'antéchrist, parce que ça, c'est quelque chose qui revient énormément quand on évoque le Blue Beam Project. Ben, c'est ça qui est amusant, entre guillemets, dans cette histoire de Blue Beam Project et puis de Nouvel Ordre Mondial. C'est qu'en réalité, donc cette dictature aseptisée avec réduction de population, etc., etc., si elle devait avoir lieu, ressemblerait en tout point à ce que nous ont décrit les textes sacrés, les textes traditionnels, les prophéties qui annoncent le retour, qui annoncent l'arrivée d'un antéchrist qui prend le pouvoir intégral sur la planète et qui fait basculer l'humanité dans des heures sombres.
dans une ère très sombre de dictature mondiale. Alors c'est ça qui est complètement fou, qui est complètement étonnant dans ce à quoi on assiste aujourd'hui, cette course au mondialisme, etc., où on se dit effectivement, on n'a jamais dans l'histoire échappé à des dictateurs qui arrivaient à un moment ou à un autre. Si demain on a un nouveau Hitler qui arrive, ça va être très chaud parce qu'il aura tous les moyens technologiques pour ne jamais perdre le pouvoir derrière, quoi. Oui, parce que le grand danger, il est là finalement. C'est-à-dire qu'on a eu toujours des dictateurs, mais qui avaient des gens qui se battaient contre lui. Mais là, si on se dit que tous les gens qui sont les plus grands de ce monde vont se mettre d'accord pour finalement diriger la planète, c'est-à-dire qu'ils vont être une dizaine ou une quinzaine à diriger le monde, ça va être l'horreur, c'est-à-dire qu'ils vont avoir les moyens technologiques et les moyens financiers. Ce sera peut-être pas les chefs d'État actuels, c'est-à-dire non, mais ça peut... que ce sont un nouvel ordre mondial, donc de nouvelles personnes, ceux qu'on a connus seront été les chevilles ouvrières qui auront été amenées à aboutir au nouvel ordre mondial. Ensuite, on rentre avec le Blue Beam, mais là, je peux t'assurer qu'on rentre complètement dans un autre paradigme avec d'autres personnes. Simplement, en parallèle à ça, Serge Bonast expliquait qu'il y avait le programme d'implantation de la RFID. Ouais. Alors la puce RFID. D'ailleurs, ça a été voté, je crois, aux États-Unis. Ça y est, c'est accepté. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, c'est pour que chacun ait sous la peau une puce qui, lorsqu'elle sera scannée, permettra d'avoir le tu sais, quand t'es A positif, son groupe sanguin, toutes ces informations médicales. Hein. C'est ça au départ. Au départ, c'est ça. Mais Serge Bonast, quand lui en parle, il explique bien d'autres possibilités. Bien sûr. Sur cette puce. On peut être localisé partout. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, du coup, on sait ce que vous faites et avec qui vous le faites presque et où vous êtes. Hein. Absolument. Donc à partir de là, surtout si vous avez un gouvernement mondial et que la Terre est unifiée, comme le souhaitent les politiques, à ce moment-là, il n'y a plus nulle part où se cacher. Puisque d'abord, avec l'implant, on sait où vous êtes, et qu'ensuite, vous n'avez aucun pays qui va vous accueillir. C'est quand même... Alors, Mathieu est en train de me dire que ça existe pour certaines boîtes de nuit, c'est quoi? Ouais, dans des boîtes de nuit, en fait, ils te mettent une puce dans le bras pour que tu puisses rentrer dans le carré VIP, en fait. Quoi? Ça existe déjà pour les boîtes de nuit, ouais, j'en ai entendu parler à la télé, c'était il y a 2 ans, un truc comme ça, déjà. Et c'est assez flippant. Tu passes ton bras comme ça devant un lecteur et c'est bon, tu peux rentrer. Bien sûr, les gens se font implanter pour ce genre de choses. Bon, on a commencé ça avec les animaux domestiques. Hein, Plusieurs sociétés privées, dont Aéroports de Paris, ont déjà distribué ce type de badge à leurs employés. Comment éviter le piratage des données personnelles? Les défenseurs des libertés individuelles crient à l'imprudence et à l'intrusion dans la vie privée. La nouvelle carte sera officialisée en juin prochain. Elle sera obligatoire et payante. Oui, les moyens d'identification et de contrôle électronique sont de plus en plus précis et suscitent beaucoup de questions. Voici un exemple un peu extrême, mais qui pourrait faire école. En Espagne, pour fidéliser leurs clients, certains établissements leur proposent de se faire greffer une puce directement sous la peau. Reportage Jacques Cardos, Thierry Breton. Attention, cet homme est porteur d'une puce électronique. Implantée dans le bras, elle lui permet d'avoir accès au carré VIP. Comme un produit de supermarché, les clients sont barcodés et la puce contient leur crédit consommation. Ainsi, dans cette boîte de Barcelone, il y a ceux un peu vieux jeu qui dansent encore avec un porte-monnaie et ceux qui n'en ont plus besoin. Légalisée depuis un an, cette greffe est même proposée à l'intérieur de la boîte contre 125 euros. L'opération ne dure qu'une vingtaine de minutes. D'abord une petite anesthésie locale, ensuite la puce est greffée sous la peau et reliée à un compte personnel, un peu comme un compte bancaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. En fait, c'est peut-être parce que tout le monde l'a. Et puis, c'est pour savoir comment c'est juste pour ça. Cette puce qui vient des États-Unis a obtenu un droit de commercialisation à condition de ne pas détenir d'informations médicales. Facile à implanter, n'importe qui peut donc s'improviser infirmière de boîte de nuit. C'est plus facile que de faire un piercing. Et ceux qui font ça n'ont pas spécialement d'autorisation. Et de toute façon, je me sens capable de réagir en cas de problème. Une centaine de consommateurs a déjà opté pour l'identification électronique. Un seul petit problème, pour se faire retirer la puce, il faut subir une intervention chirurgicale.
C'est le même principe que pour les femmes qui se font implanter une pilule contraceptive. Au bout d'un an ou deux, il faut bien l'enlever pour en faire poser une autre. Reste le problème du pistage éventuel des clients, car la puce permet aussi de suivre un individu par satellite, ce qu'aucune législation n'interdit en Europe. Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'avenir de la radio-identification, souvent identifiée sous le sigle de RFID. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une méthode pour mémoriser et transmettre des données qui sont stockées sur des radio-étiquettes composées d'une puce électronique et d'une antenne, qui permet de recevoir et répondre aux requêtes radio émises depuis un émetteur-récepteur. Alors ces radio-étiquettes, elles sont introduites dans des produits ou collées sur des objets, mais elles peuvent aussi être implantées dans des organismes vivants. On a le sentiment que c'est quelque chose de très nouveau, alors qu'en fait, ça existe depuis très longtemps. Tout ce qui va être de plus en plus nécessaire à suivre à distance, savoir ce qu'il devient, permettre de connaître l'évolution des produits, les localiser, optimiser les stocks, de façon à ce qu'on ait des stocks minimales, faire en sorte qu'on sache en permanence où se trouvent ces objets, permettre d'intégrer des processus de production. Oui, on parle d'un enjeu économique majeur dans la traçabilité des produits. Les réductions des coûts sont considérables. En termes de sécurité sanitaire, de pouvoir tracer l'origine des produits agricoles depuis leur conception jusqu'à leur consommation. Tout ça donne une traçabilité sur les objets absolument gigantesque, encore à venir. Sur les personnes aussi, on peut imaginer une traçabilité encore plus grande. Parce que sur les objets, on connaît, mais sur les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. Mais avant de parler de l'implantation des organismes vivants, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants. To think something so small can connect you to everything that matters. When your life and all you love are on the line. HealthLink is always with you when every second counts in the emergency room, providing immediate access to your medical records. Because Bob has trouble remembering all his medications. Because I'm in love with my kids' kids. Because my car lost control while driving. Because now I'm looking out for both of us. Because I have diabetes, but it doesn't have me. Because I spend my life in the ER trying to save yours. Et puis de plus en plus, on vous est dans les maternités, pour ne pas perdre les bébés, on place des RFID dans des bracelets, etc. Et dans certaines familles très riches, on propose d'implanter les enfants en cas de kidnapping, ça se fait en Amérique du Sud. Mmh. Et en Inde, le programme d'implantation alors il faudrait vérifier l'information, mais à l'époque il était dans les tuyaux, puisque on expliquait que c'était le seul moyen pour les Indiens d'avoir la sécurité sociale. Que pour éviter les fraudes, etc., il fallait que tous les Indiens soient implantés. Et je crois qu'aux États-Unis, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'Obama a fait le programme de sécurité sociale et s'est battu là-dessus. Mais dans la loi sur la sécu américaine, au bout de quelques années, pour continuer à avoir cette prestation, il faudra l'implant. Donc on y va, c'est ça qui est extraordinaire chez Mona, c'est que tout ce qu'il a annoncé à l'époque où on disait ce type est complètement dingue, et où lui disait attention, j'ai des informations très sérieuses et j'ai un réseau d'informateurs très 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 bien placé et très privilégié,
On ne le prenait pas au sérieux, mais tout ce qui, on dirait que son tort, son grand tort, c'est d'avoir eu raison avant tout le monde. Mais moi, c'est ce qui me fait peur, tu sais, c'est que je regarde des films de science-fiction ou d'anticipation, puis on voit souvent que l'anticipation devient quelques années plus tard réalité. Mmh. Ça me fait penser au film Bienvenue à Gattaca. Je ne sais pas si tu te souviens de ce film, où il y a voilà, il y a une société comme ça où tout le monde est pucé et on voit à droite à gauche. Enfin, moi, je trouve ça dingue. Alors, et encore plus dingue ce que vous m'avez dit sur les boîtes de nuit, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as des gens qui acceptent d'être avec une seringue, on leur balance une puce électronique devant la boîte de nuit. Oui, c'est ça, en fait. Ils te désinfectent le bras. Et puis, c'est un peu épais, en plus. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment une... C'est chirurgical, presque. Hein. C'est... Et alors, on accepte que des boîtes de nuit te mettent des trucs dans la peau. Oui. Oui, on aura, si tu veux, Bob, il y aura toute une émission à préparer sur ce genre de sujet. C'est tout à fait passionnant. Tu vas avoir la tête à l'envers. Ah ouais. Mais ça va très très loin, l'implant, parce que ça peut aussi modifier la chimie du corps humain. Bref, on peut imaginer au bout d'un moment, dans une dictature, que cette puce-là est carrément une programmation et qu'elle implose quand t'as arrivé à l'âge de 30 ans. Auquel cas, là, tu rentres dans le film L'âge de cristal. Hein, puisque L'âge de cristal ne montre rien d'autre. Tu as un diamant dans la main. Je sais pas si tu te souviens de ce film-là, un peu vieux, où ce sont des gens vivent dans une ville qui est à l'abri de la pollution, etc. Mais évidemment, comme la Terre n'a plus de ressources pour nourrir tout le monde, à 30 ans, les gens sont sacrifiés. Ils partent, ils vont dans, je sais plus quoi, le sanctuaire, je sais plus comment on appelle ça, et ils sont sacrifiés. Or, qu'est-ce qu'on a fait à tous les corps humains, tous les bébés qui naissent, on leur met une sorte de rubis dans la main qui clignote, et un jour, boum, ça s'éteint. C'est-à-dire que quand le truc arrive à son l'implant arrive à son terme, ça s'éteint, et ça veut dire qu'il faut aller à l'abattoir, quoi. Ouais, c'est juste hallucinant. J'ai vu un film aussi avec je crois que c'est Justin Timberlake sur c'est sur le temps, en fait. Oui, Time Out, je crois, hein. Ça c'est incroyable, ça aussi. C'est exactement le principe de l'implant. Si tu réfléchis bien, l'implant, c'est tout ça. Ah, mais d'un autre côté, ça peut être, on peut prendre le côté pratique. Par exemple, tu peux mettre une puce pour prendre la carte Navigo, ta truc de sécurité sociale, ta carte. Voilà, le mec, on lui parle du nouvel ordre mondial, il me parle de sa carte Navigo quand même, hein. C'est-à-dire que tu vois quand même le Mathieu qui est terre à terre. On est visionnaire, Mathieu, tu vois, on va loin. Ouais, mais ça me fait peur tout ça, là. Mais là, il résonne comme nous résonneront. La majorité de la population. Mais bien sûr, parce qu'il y a des bons points. Mais bien sûr. C'est comme ça que l'implant va réussir à s'implanter, parce qu'on va t'expliquer que si t'as une crise, tu tombes évanoui sur la rue, on pourra lire ton implant en deux secondes, on sait quel traitement te donner, etc. Ouais. Les gens vont se précipitent déjà là-dessus, parce que dans certains pays, c'est déjà le cas. Ouais. Pour les enfants, la peur du kidnapping. Bah oui, fatalement. Bah oui. Et le problème, Mathieu, c'est que le jour où tu as un dictateur qui a pas froid aux yeux, qui est décidé à tout pour instaurer son pouvoir et la dictature mondiale, ce jour-là, l'implant, il servira pas seulement pour pouvoir passer l'autoroute, le péage. Bah, t'imagines les informations qu'on peut t'envoyer dans ton implant. Ouais, non, mais il faut juste être au courant que de toute façon, il y a déjà toutes les informations sur Facebook, dans ton portefeuille, il y a déjà tout. C'est-à-dire déjà, on est complètement surveillé. C'est-à-dire que tu es fiché. On peut savoir où tu es n'importe comment. Tu sais que tu fais. Il y a quand même des mecs qui, pendant la guerre, se prennent des missiles sur la gueule alors qu'ils sont dans un chiotte, tu vois, quelque part dans le monde. Ouais. Mais les mecs savent où il est et le missile a été envoyé à des centaines de kilomètres, c'est-à-dire qu'ils savent où, ce qu'on appelle la guerre chirurgicale. Quoi qu'il en soit, donc t'imagines déjà ce que ça fait. On imagine que si ça. En tout cas, ce soir jusqu'à 23h, c'est le projet Blue Beam qui nous intéresse, ce nouvel ordre mondial. L'application POV vous dit toute la vérité et téléchargeable gratuitement sur l'App Store et Android. À 23h, le conscient et le subconscient. On demandera à Yannick Le Cam d'ailleurs si notre subconscient va accepter tout cela. Parce que, tu sais, il y a quelque chose qui est très intéressant, Rock, c'est que, est-ce qu'à un moment donné, notre nous va pas refuser ça? Est-ce qu'on va, tu sais, on dit souvent qu'on ne connaît qu'une partie de notre cerveau, mais est-ce qu'à un moment donné, il va pas se réveiller en se disant, mais arrêtez, est-ce que tu crois qu'il va y avoir un réveil?
Il y aura un pourcentage de personnes qui se réveilleront. Après, pour le reste, moi, je ne sais pas. Moi, je me pose des questions quand même sur le fonctionnement des masses, des peuples, la manipulation. Vu à la télé, toutes ces choses-là. Bon, alors, je te parle même pas de l'implant, parce qu'en plus, l'implant, parce que Mathieu oublie, le facteur onde, c'est-à-dire que l'implant émet des ondes, reçoit des ondes, donc on pourra recevoir des ordres, émettre nous-mêmes des ondes, et tout ça peut modifier la chimie d'un corps. Bien sûr. Non, mais lui, lui, c'est le stéréotype du mec qui va être le premier à se faire implanter. Hein. Voilà, donc, c'est pour ça que quand tu me parles d'éveil, alors je sais pas, il faudra surveiller Mathieu, voir Mathieu comment... Non mais lui il s'endort, lui. Il a... lui il s'éveille pas, lui il s'endort en fait. Tu vois, je peux dire, il est dans le moutonnage. Non mais, en fait, merci, voilà, non mais je réfléchis un minimum, mais c'est juste que bon, non, bah voilà, c'est un minimum. Ouais, hein. Ah bah oui. Ah bah non mais pas trop. Je peux pas. Ah bah non. Il réfléchit à un minimum. Mais c'est vrai que, mais en même temps, je peux comprendre Mathieu. C'est vrai que là on le chagrine, mais effectivement, t'as raison. C'est-à-dire que tu dis à des parents, vous pouvez éventuellement savoir à tout moment où est votre enfant si on le kidnappe. Il y a des gens qui ont de l'argent. Il y a des pays en Amérique du Sud où on te kidnappe ton enfant pour rien du tout, dès que t'as un peu d'argent, donc on peut savoir où il est, on peut savoir effectivement ton groupe sanguin en cas d'accident, tes antécédents physiques, etc., médicaux, mais en même temps, c'est toujours comme d'habitude, quoi, la pièce a deux côtés, quoi. Absolument, ouais. Absolument, bah, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est que dans un second temps que la pièce montre son vrai visage. Et là, c'est malheureusement trop tard, parce qu'une fois que t'as l'implant, ça devient beaucoup plus délicat de l'enlever. Je crois qu'il y a aussi des films qui montrent ça. Alors dis-moi, tu, quand on parlait de Nouvel Ordre Mondial et quand on a préparé le dossier, tu voulais qu'on évoque en fait le Disclosure. Oui. Parce que le Disclosure Project, c'est quelque chose qui s'est tenu en avril début mai. Voilà. On avait fait une émission ici. Toi, tu dis qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec ce Nouvel Ordre Mondial. Bah voilà, exactement, Bob. C'est-à-dire que en fin avril début mai, il y a eu l'audience citoyenne de la divulgation. C'était une grosse assemblée organisée par Stephen Bassett, à la manière américaine, si tu veux, genre congrès américain, il y avait des hommes politiques, des scientifiques, militaires, services secrets, tout ce monde-là. Ils étaient tous là à lever la main droite, dire je jure, prêter serment pour raconter leur histoire sur les ovnis. Ouais. Et ça, c'est une réunion qui a coûté quand même $1 million à peu près, ouais, avec très grosse couverture médiatique aux USA. Donc évidemment, le milieu ufologique... c'est enflammé, ouais, génial, c'est super, etc. Mais enfin bon, après, on peut se poser des questions. Pareil, pourquoi ces gens-là se mettent à parler comme ça, en dehors des raisons d'argent? Qu'est-ce qu'ils ont été frappés tout d'un coup par la grâce, l'amour de la vérité? Et c'est des gens qui ont fait une carrière dans des officines où on leur apprend toute leur vie à faire de la désinformation et à cacher la vérité. Et tout d'un coup, ils lâchent tout s'en bloc. On peut se poser des questions, savoir d'où vient l'argent, etc. Et donc, ce que je veux dire, c'est juste de mettre un peu en garde les auditeurs ou les personnes sensibles à toutes ces histoires d'ufologie, c'est se demander si tout ça ne procède pas aussi de la phase 1 qui était dénoncée par ces monastres, c'est-à-dire de la préparation des esprits à ce choc du Blue Beam, c'est-à-dire le truc Indépendance D où tu as les vaisseaux spatiaux qui arrivent tous au-dessus des villes, etc. C'est vraiment cette réunion qui a eu lieu, même si c'est positif qu'on parle des ovnis, même si je suis sûr que certaines de ces personnes sont complètement honnêtes et sincères, etc. On peut se demander qui tire les ficelles là aussi, et si c'est pas une façon de préparer, si on n'est pas déjà dans la phase 1 du Blue Beam, c'est-à-dire la préparation de la population, à savoir, voyez, on vous l'avait dit, il y avait même des gens gradés, tout ça, avec pédigré qui vous avaient révélé l'existence des ovnis, donc sûr. Vous pouvez le croire, vous avez encore une preuve de plus. Ouais, une preuve de plus. Alors tu sais que beaucoup de politiques évoquent ce nouvel ordre mondial, on se demande qui est derrière, parce que la question c'est à qui profite le crime, et puis on a pas mal de politiques donc qui évoquent depuis quelques temps maintenant ce nouvel ordre mondial, et on a quelqu'un qui a été célèbre pour ses frasques dans une certaine chambre d'hôtel, qui était un économiste brillant, qui a été le patron du FMI, Dominique
Strauss-Kahn, qui en son temps également évoquait, et d'ailleurs l'évoque toujours, hein, au gré de ses conférences, parce qu'il en fait toujours, le nouvel ordre mondial. Il dit, lui, que le monde est uni. Écoutez-le. La planète se réunit en une seule humanité. Mais le monde est un seul, le monde est uni, on est un seul peuple. Voilà, un seul peuple, le monde est uni, une humanité. Ouais. Ça, c'est quand même assez dingue. C'est-à-dire que là, pour le coup, on voit qu'il y a un travail derrière de lobbying, et que voilà, on commence à parler. C'est vrai que c'est pas anodin. Moi, j'avais eu un montage, je crois, d'une émission de télé. Je crois que c'était un zapping où on voyait tous les gens, tous les hommes politiques, le nouvel ordre mondial, C'est-à-dire que voilà, c'est que ça vient, ça revient, ça nous est rabâché perpétuellement, Rock. Hein. Absolument, c'est toujours, ça procède toujours de la même préparation qui est sur plusieurs phases, et là il y a, et c'est vrai qu'il y a un discours qui est, il y a un double discours, c'est-à-dire qu'il y a le discours et puis les faits en réalité. Ouais. Ça fait peur, c'est vrai que ça fait peur. À qui va profiter le crime? Tu disais tout à l'heure que c'était pas forcément les hommes politiques, est-ce que ce sont les banques, les financiers, là, parce que à un moment donné si on fait ça, c'est qu'il faut qu'on récupère de l'argent, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Bob, ça engagerait quasiment une nouvelle émission, je t'assure. C'est à qui profite le crime, c'est-à-dire comment ça peut fonctionner, hein, qui tire les ficelles réellement. Effectivement, là, ça nous ramène aux dieux, aux faux dieux, à l'histoire des civilisations, parce que peut-être que tout ça n'est qu'une boucle, temporelle qui se joue tout le temps. On nous a raconté le déluge, on nous a raconté, etc. Il y a peut-être un moment, un Matrix reload qui nous attend, c'est-à-dire une remise à jour. Le nouvel ordre mondial, c'est peut-être un départ à zéro, où on remet les pendules à l'heure, on repart avec une humanité nouvelle, et là, ça rejoint après les histoires qu'il y a actuellement dans l'actualité sur la PMA, la gestation par personne interposée, les mères porteuses, etc., qui peuvent découler dans le cadre de plusieurs décennies avec le nouvel ordre mondial. Ça peut aboutir à des matrices artificielles ou avec une humanité qui est créée artificiellement. En 2005 paraît en France un livre scientifique qui fait l'effet d'une bombe. C'est l'UA, l'utérus artificiel, écrit par le docteur Henri Atlan, biologiste et philosophe. Après la pilule contraceptive, l'insémination artificielle, la fécondation in vitro, une prochaine étape sera l'ectogenèse, c'est-à-dire l'utérus artificiel. C'est-à-dire la possibilité de faire se développer un bébé depuis la fécondation jusqu'à la naissance, en dehors du corps d'une femme. On transgressait quelque chose. C'est-à-dire que ce qui n'était pas visible, c'est-à-dire le début du début de l'homme, est devenu visible. Voilà. Cela paraît si simple. C'est fait super bien. C'est magique, hein. Des chercheurs à différents endroits du monde travaillent pour optimiser la procréation médicalement assistée. À l'autre bout de la chaîne, ils espèrent augmenter toujours plus la survie sans séquelles des grands prématurés. Recherche sur le placenta artificiel. Études pour un liquide amniotique de synthèse. C'est un peu comme si plusieurs personnes creusaient un tunnel de différents côtés d'une montagne. S'ils arrivaient à se rejoindre au même endroit, la jonction sera faite. L'utérus artificiel existera. Pour moi, être féministe et emmerder le monde, être fière, courageuse, être vulgaire, être forte, être grossière, être virile. C'est aussi ça le nouveau féminisme. C'est une contribution, disons, à la pensée féministe. On n'a pas le... Voilà, on ne crée pas non plus un nouveau féminisme, mais on essaye effectivement d'aller du côté de ce qu'on appelle la virilité, c'est-à-dire prendre un peu au mec ce feu sacré de la virilité. C'est quoi être viril? C'est avoir une grande gueule, c'est boire, fumer, parler, s'emparer de la chose politique, parler toute la nuit, rouler sous la table pour des idées. Pourquoi vous faites cette tête-là, Fabrice Guignon? On a l'impression que vous êtes estomaqué, abasourdi. Vous allez prendre le peu qui leur reste, hein, parce qu'il y en a, ils sont tellement, il reste plus rien, mon chéri, je t'assure, ils sont en fin de piste, hein, vous verrez. Nous, on n'est pas du tout dans un combat contre les mecs et dans une haine des mecs. On est un peu, justement, ce que dit aussi Virginie Despentes dans son livre, c'est tous ensemble, c'est-à-dire justement cette virilité-là, partageons-la tous ensemble, les hommes et les femmes,
voilà, que les mecs se féminisent, que les femmes se virilisent. Faisons un petit peu circuler, et aussi faisons circuler le ventre et la tête, puisque vous vous dites, voilà, les femmes sont merveilleuses parce qu'elles sont du côté du ventre, elles enfantent, etc. Puis les hommes, c'est le cerveau. Moi, je serais pour qu'on sorte un peu de cette partition naturaliste. L'utérus artificiel pourrait nous y aider, par exemple. Les femmes pourraient n'être plus que des cerveaux. Les hommes pourraient louer des utérus pour faire des enfants. Voilà, c'est je ne comprends pas la nécessité de cette uniformisation. Moi, je pense qu'il y a égalité, mais je comprends pas pourquoi vous voulez l'uniformité. Je crois que c'est Sacha Guitry qui disait qu'il donnerait volontiers la supériorité aux femmes si elles arrêtaient de parler d'égalité. Avant les guerres, les hommes et les femmes combinaient eux-mêmes leur patrimoine génétique et s'exposaient à de multiples dangers. Les enfants leur appartenaient comme des objets. Ils ne prenaient pas la liberté comme il est d'usage aujourd'hui. C'est ce qui s'appelait une famille. Nous avons beaucoup progressé depuis lors. Aujourd'hui, nous n'avons pas de crime, pas de maladie, pas de guerre, pas de vieillesse, pas de souffrance. Nous sommes génétiquement programmés pour occuper la place dans la société qui nous a été attribuée. Et tout le monde est heureux. Très bien, c'est du bon travail. Je ne comprends pas. Comment est-ce que les enfants étaient décantés dans l'ancien temps ? Les enfants n'étaient pas décantés, ils naissaient. L'homme et la femme pratiquaient le sexe, la femme tombait enceinte et ensuite elle accouchait. Comme les animaux ? Je sais que c'est difficile à croire. C'était une expérience très douloureuse, dangereuse et extrêmement dégradante. Alors ils avaient peur d'avoir des activités sexuelles ? Quelquefois, oui. Quand un homme et une femme voulaient avoir des bébés, ils étaient obligés de se marier. Et l'activité sexuelle n'était tolérée qu'entre ces deux personnes. Pendant combien de temps ? Toute leur vie. Vous voulez dire que c'était des pères et des mères ? Il n'est pas nécessaire d'utiliser un langage ordurier. L'ancien système encourageait les comportements négatifs. L'envie, la traîtrise, la propriété, les enfants étaient élevés dans de très mauvaises conditions et ils n'avaient pas de soma pour atténuer leur douleur. La vie était très différente avant les guerres. Il a fallu que le monde soit unifié par un gouvernement rationnel et scientifiquement éclairé pour que nous puissions entrer dans l'ère du progrès. Aujourd'hui, nous vivons dans le luxe, l'harmonie et la sécurité. Y a-t-il jamais eu une époque plus agréable à vivre ? Non. Le monde remercie Sora. Chacun a sa place et un objectif. Ainsi, tout le monde est heureux. Les vilains, les alphas, les bêtas, les gammas et les deltas. Tout le monde appartient à tout le monde. Nous devons respecter les deltas, les gammas et les bêtas. Ça va aller, prends un peu plus de soma. Tout le monde appartient à tout le monde. Nous devons respecter les deltas, les gammas, les bêtas. Nous sommes tous utiles, mais je suis fier d'être un alpha. J'aurais détesté être aussi ennuyeux qu'un delta. Suivre les ordres comme un gamma, ou surveiller comme un bêta. Nous sommes tous utiles. Comme Huxley le prévoyait dans un monde parfait. Et cet auteur-là, c'est pas n'importe qui non plus, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était d'une famille de ces gens-là. C'est toujours ça qu'il faut voir, c'est que c'est des gens qui, comme Orwell, qui sont très bien informés sur certaines évolutions de l'humanité, etc. Enfin, ça nous lancerait tellement loin, ce serait assez passionnant de réfléchir à ça, mais là, il faudra alors être encore plus préparé pour vos auditeurs. Alors, pour toi, de toute façon, c'est quelque chose qu'il faut absolument refuser, j'imagine. Il faut se battre contre ça. Je,
crois que de toute façon, c'est pas tellement de se battre contre ça. Je crois qu'il faut prendre conscience de cette possibilité, voir que cette technologie potentiellement, elle existe, que tout est en place pour que ça arrive, qu'on n'est pas à l'abri d'un jour d'une dictature, d'une dictature qui montrerait son vrai visage, parce que peut-être il y a des gens qui vont dire que déjà on est dans un système de dictature aujourd'hui. Ouais. Et tu sais, c'est le fameux truc, la démocratie, c'est cause toujours. Ça m'intéresse. Voilà. Donc c'est pas tellement de se battre, c'est juste de prendre conscience, et le fait de prendre conscience, déjà, ça permet d'éviter pas mal de pièges, et donc pas mal de mise en place de ces pièges. Pourquoi parler du Blue Beam est important, est intéressant? Pourquoi parler de tout ce qu'on vient de dire ce soir est important? C'est parce que en le disant et en le faisant connaître par d'autres, ben ça rend les choses plus compliquées à mettre en place. Bien sûr. Bah oui, ça éveille le grand public, et le pire, c'est l'ignorance. Et quand le grand public sait, eh ben il a une arme entre les mains. En tout cas, on est et toi et moi là pour cela, toi dans ton magazine Top Secret, là pour éveiller les consciences, pour dire ce qu'il se passe véritablement. Après, encore une fois, on expose et les gens disposent, hein, je crois qu'on a la même devise. Tout à fait. Mais dans tous les cas, c'est important que quelqu'un expose, et on s'aperçoit que de moins en moins de monde le fait, hein, quand même. Et bravo pour ce que tu fais, c'est vraiment très, très, très courageux dans notre société aujourd'hui, où quand même c'est le règne de la pensée unique. C'est vraiment bien d'oser faire ce que tu fais, parce que ça peut être assez mal vu, on va dire. C'est sûr. Oh bah, t'inquiète pas, je suis au courant. Hein. Je reçois quelques messages. En tout cas, mille fois merci. Qu'est-ce qui réunit la NASA, le FBI, la CIA, les Américains, les Russes, les religions, toutes les religions du monde? À toutes. Et, ah oui, parce que ça y va franchement. En gros, tous les puissants. Qu'est-ce qui les réunit tous au sein de la même conspiration, en tout cas pour certains? C'est le projet Blue Beam, initié par la NASA. Un projet absolument hallucinant pour imposer une religion du nouvel âge avec la venue de l'Antéchrist, rien que ça. C'est une espèce de fusion, quoi. C'est une fusion de tout ce qui a pu se faire en termes de conspiration. C'est l'apothéose du conspirationnisme. Magnifique. Alors, le projet Blue Beam, quand même, a des bases scientifiques réelles, en tout cas des bases qui existent et qui sont avérées, puisque de nombreux scientifiques se sont aperçus, effectivement, qu'on avait par des micro-ondes ou par d'autres moyens modernes, la possibilité d'influencer des personnes. Un petit peu comme quelqu'un qui ferait de la télépathie serait capable d'influencer une personne. Donc on serait capable de rentrer dans le cerveau des gens pour leur véhiculer des messages directement, comme s'ils avaient une petite voix à l'intérieur qui leur soufflait. Alors à ça, évidemment, plusieurs expériences, plusieurs scientifiques qui se sont penchés sur la question. Alors il y a eu des chercheurs, des psychologues. Ça a réellement commencé en 1974, ces études là et par exemple, pour un chercheur qui a quand même été prix Nobel, il a effectué des expériences, une série d'expériences qui démontraient qu'on pouvait entendre et comprendre des messages transmis dans une cabine d'isolation par un audiogramme à pulsion micro-ondes, grosso modo qu'on était capable, un petit peu comme une radio est capable de recevoir des ondes et de les transformer en voix, bah, l'être humain, son cerveau, était peut-être capable de faire la même chose. Et de là, évidemment, des tonnes de gens ont commencé à dire « Oui, mais si on est capable de faire ça, imaginez les manipulations que les puissants seraient capables de nous faire subir ». Et bien sûr, quand on va dans ce sens-là, on est en droit de se dire que la plus grande conspiration du monde va être lancée, parce que si on peut influencer la population sans qu'elle s'en rende compte et la faire aller où est-ce qu'on veut, évidemment... Alors manifestement, ce qu'il en ressort, là, d'après ce que tu nous dis, c'est assez positif pour l'humanité. Pour l'instant. D'accord. Alors, avec cette animation virtuelle et le son provenant de la profondeur même de l'espace, les fidèles de diverses croyances, fortement impressionnés évidemment, seraient témoins du retour de leur sauveur comme d'une réalité vivante. Ensuite, les projections de Jésus, Mahomet, Bouddha, Krishna, enfin, toutes les divinités se fondront en une seule figure. Donc on aurait comme ça une espèce de morphing dans le ciel de tous les prophètes que les religions connaissent, pour former une divinité unique
qui serait l'antéchrist et qui expliquera que toutes les écritures sacrées ont été mal interprétées et incomprises et que les vieilles religions sont responsables d'avoir dressé l'homme contre l'homme. Bref, cette grande mystification aura pour effet de générer un désordre social, politique, culturel et religieux et de créer la divinité unique, l'antéchrist de la NASA. Ah oui, non, parce que donc ça serait un antéchrist, hein, c'est le terme... C'est le terme officiel. Hein, d'accord. Voilà. On arrive à la troisième phase. La troisième phase, elle va conjuguer la télépathie et l'électronique. Donc ça, je vous en parlais au début, c'est ces recherches qui ont prouvé qu'effectivement, on arriverait sans doute au moyen d'ondes à interférer sur les pensées des gens, à les conditionner. Donc, cette troisième phase conjuguerait la télépathie et l'électronique avec des systèmes d'émission pour atteindre chaque personne en vue de les persuader que c'est son propre Dieu qui lui parle. Donc grosso modo, chacun entendrait une petite voix, petit message et serait convaincu de recevoir un message divin. En fait, le but est de former ce qu'on appellerait la pensée artificielle diffuse. Alors, comme je disais, des expérimentations à ce propos ont eu lieu dans différents pays et on sait évidemment que des impulsions à basse fréquence peuvent produire des signaux auditifs qui sont audibles pour un seul individu, mais pas pour le reste de sa communauté, par exemple. D'accord. Donc on est vraiment capable de cibler comme ça certaines personnes pour les influencer. Donc, par exemple, des présidents, des hommes d'influence à la tête d'État, des religieux, pour vraiment les conduire où est-ce qu'on a envie d'aller. Et là, on arrive à la quatrième phase. Alors, la quatrième phase, ça serait un concentré de manifestations surnaturelles. Alors, il y aurait trois leurres différents. Le premier leurre, ça serait une invasion extraterrestre qui surviendrait au-dessus de chaque ville, au-dessus de chaque grande ville du monde. C'est brillant comme... C'est brillant, ah oui. ça réunit tout. Invasion extraterrestre au-dessus de chaque grande ville du monde. Le second leurre, ça serait de faire croire aux chrétiens qu'un merveilleux événement va survenir sous la forme d'une intervention extraterrestre bénéfique. Ça, dans le but de protéger les terriens d'un démon impitoyable. Oui. Alors, le but de ce second leurre, évidemment, et de cette manœuvre, c'est de rassembler d'un seul coup tous les opposants à l'ordre mondial juste avant le début du spectacle céleste, celui dont on parlait tout à l'heure. Le troisième point de cette quatrième phase est l'usage global de tous les moyens de communication modernes pour diffuser des ondes. Alors tous les moyens, c'est téléphone portable, radio, internet, bref, tout ce qu'on a, talkie-walkie, tout ce qui existe, pour diffuser des ondes visant à déstabiliser psychiquement les populations au moyen d'hallucinations individuelles et collectives. Et donc, on arrive là à la fin du projet Bluebeam qui a pour conclusion qu'après la nuit des 1000 étoiles, c'est comme ça que l'appellent les conspirationnistes, à la suite de tous les bouleversements mondiaux, que la population mondiale soit prête à accueillir un nouveau messie en chair et en os, un cyber-Rockefeller, comme ils l'appellent, faussement extranéen, puisqu'en fait il ne serait pas extraterrestre du tout. D'accord. Et qu'on suppliera de rétablir l'ordre et la paix à n'importe quel prix, mais surtout, évidemment, au prix de notre liberté individuelle. Et c'est là que le projet Bluebeam devient extrêmement pervers, puisque une unité artificielle des peuples permettrait de régler les problèmes urgents, lesquels évidemment ont été de toute façon créés de toutes pièces, donc faciles à régler. Mais progressivement, évidemment, face à cette tyrannie de la nouvelle religion mondiale, apparaîtrait un nombre de personnes qui se réveilleraient, qui prendraient conscience qu'ils sont manipulés. Et là, le contrôle de la Terre se partagerait rapidement entre les mains d'une caste de grands prêtres, donc ceux qui se seraient réveillés, qui auraient pris conscience qu'ils sont manipulés, et de technocrates impitoyables agissant au nom de Dieu. Évidemment, le but de cette dictature est de contrôler tous les habitants et d'exploiter de façon globale les ressources de la planète. Ceux qui l'aiment l'écoutent pour savoir ce qu'il va dire. Ceux qui en ont peur l'écoutent aussi pour savoir ce qu'il va dire. Bob est sur Ado. Comme tous les soirs, je le répète, Bob vous dit toute la vérité, n'aurait pas la même saveur sans vos témoignages, vos réactions. Pour cela, les réseaux sociaux, ce soir encore, vous appartiennent. Et oui, vous pouvez réagir via Twitter, Maudies Bob Vérité, et sur la page Facebook, Bob vous dit toute la vérité sur Ado. Merci Mon Elliot, et merci aussi à tous ceux qui alimentent les blogs, qui parlent de l'émission, à tous ceux qui usent leur réseau pour dire qu'ici sur Ado, il existe un homme qui dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas sans jamais avoir eu le courage de le dire. Et pour commencer, place au projet Bluebeam, Bluebeam Project avec Paul Ponceau. Bonsoir Paul. Bonsoir Marc. Non, moi c'est Bob. Vous montez un Bob.
mais c'est pas grave. Un point pour moi. C'est parce que j'ai parlé de Margret voilà, juste avant. Exactement. Qui est un ami d'ailleurs. Oui, c'est pour ça. Comme ça, ça détend l'atmosphère. Alors, Paul, vous êtes chercheur de vérité, un peu comme moi. Alors, vous avez écrit Le plan secret du diable, édité à compte d'auteur. Il parle, ce bouquin, de présence reptilienne, donc du projet Bluebeam, des nouvelles vibrations et de la mise en place du nouvel ordre mondial. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, qui ne sont pas du tout branchés, en quelques mots, c'est quoi le Bluebeam Project ? Le Bluebeam Project, c'est tout simplement la volonté de mettre en scène l'arrivée d'un faux sauveur pour extorquer le consentement de l'humanité à un gouvernement mondial, à une religion mondiale. Et tout ça sous fond de nouvelles vibrations, de réveil de l'humain. Donc ce nouveau sauveur incorporera à la fois les caractéristiques des sauveurs des différentes religions et des caractéristiques scientistes, sous-entendu faux sauveurs extraterrestres, faux messie et tout ça. Voilà. Donc en fait, c'est la grande manip, quoi, en fait, tout simplement. Exactement. La grande manipulation au niveau du mouvement New Age. Mmh. Manipulation qui s'inscrit d'ailleurs dans tout notre quotidien, dans toute notre vie, à la fois dans notre vie de tous les jours, et dans la politique internationale, l'actualité. Voilà. Alors moi, quand on a commencé à travailler sur l'émission, on a vu souvent la NASA revenir. Est-ce que on a dit au départ que c'était la NASA qui était derrière tout cela? Alors j'étais un peu surpris parce qu'il y a un aspect très religieux quand même dans ce Bluebeam Project également. On en parlera, on va le détailler. Est-ce que la NASA est au départ à l'origine de ce projet ou pas du tout? Clairement, la NASA est un des fers de lance du projet. La NASA va être utilisée dans ce projet, mais la NASA n'est pas du tout à l'origine de ce projet. Ce qui est à l'origine de ce projet, c'est essentiellement ce qu'on peut appeler les Illuminati, ce qui est complètement différent des Illuminés de Bavière. Certaines races d'entités extraterrestres ou d'entités sans âme, que certains qualifient de reptiliens, d'autres qualifieront dans le langage plus judéo-chrétien de démons, certaines autres personnes les qualifieront de djinns, en bref des entités non humaines. Et il y a également certaines sociétés secrètes qui sont utilisées par les Illuminati, utilisées par les entités non humaines pour mettre en place ce projet. Est-ce qu'il a des chances d'aboutir véritablement à ce projet ? Ou est-ce qu'on est vraiment dans une utopie? Parce que arriver à un moment donné, se dire bon, je vais manipuler le monde entier, on peut le faire avec des gens qui sont pas, qui ont un QI, tu vois, proche d'une huître. Mais à un moment donné, quand on réfléchit un petit peu, bon, on se dit quand même, il faut pas nous prendre pour des cons, non? La manipulation a lieu tous les jours, à tout moment. Par exemple, moi, je fréquente beaucoup de gens du mouvement, dans le mouvement New Age, des gens dits éveillés, et je suis surpris de voir le nombre de personnes qui se laissent manipuler par des imbécilités, comme par exemple la mascarade de la démocratie, la mascarade de la politique. Beaucoup de gens dans le milieu New Age disent je vote parce que je dois voter, parce que des gens sont morts pour ça. Ils vont voter pour des candidats qui représentent très souvent, qui sont très souvent de face d'une même pièce. On voit aussi beaucoup de gens qui sont dans soi-disant réveillés, mais qui sont dans cette optique de l'arrivée d'un sauveur externe et tout ça. Donc la manipulation fonctionne très bien. Un exemple de manipulation, c'est la manipulation du 11 septembre. Il faut savoir que on avait fait un sujet le 11 septembre dernier, très belle émission dessus, à 2 heures, hein, c'était magnifique. Il faut savoir par exemple que lors du 11 septembre, beaucoup d'Américains disaient que Bush ne faisait pas assez pour les protéger. Et à la fin, donc comme dans les années 2006, 2007, 2008, à la fin de l'administration Bush, il y avait un tiers des Américains, je dis bien un tiers des Américains, qui pensaient que Bush ne faisait pas assez pour les protéger. Alors que George Bush a supprimé les libertés publiques des Américains, a lancé des guerres de conquête sur un mensonge. Donc il faut voir un peu comment on peut manipuler facilement les gens. On a toujours la sensation, Paul, que tout ça, ça vient des États-Unis. Est-ce que c'est vrai qu'au départ, la genèse, elle est américaine ou pas? Pas du tout, pas du tout. La genèse de tous ces projets, alors si on remonte à très 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 loin dans le temps, à l'époque sumérienne, égyptienne, babylonienne, à l'époque des civilisations anciennes, la genèse, c'est essentiellement la civilisation de Sumer, la civilisation égyptienne, donc qui est en fait civilisation de Sumer qui allait jusqu'au Caucase, jusqu'en Iran, la civilisation égyptienne, mais il y a aussi beaucoup, il y a aussi un rôle très important de la Chine, du nord de l'Inde, de certaines régions du Tibet. Donc c'est une genèse qui est
Mais donc quand je vous écoute, ça veut dire ça remonte à très loin. Ça remonte, c'est une manipulation de l'humanité qui c'est remonte incroyable. À 6, 7, 10 000 ans et même à des temps bien antérieurs, à l'époque du déluge. Ouais. Donc il y a à peu près 12 000 ans et encore. Mais déjà, Paul, moi j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, les religions, elles manipulent déjà tout le monde. C'est-à-dire que. J'en viens justement. De nos jours, en fait, le point principal de la manipulation, c'est l'Europe. Alors je dirais qu'il y a plusieurs lieux de manipulation. Mmh. Le lieu de manipulation numéro un, c'est la City de Londres qui manipule la finance. Mmh. Numéro un, ex aequo avec le Vatican, avec Rome qui manipule la spiritualité. Beaucoup, beaucoup de choses sont dirigées du Vatican, qui est une institution sataniste qui a perverti complètement le message du Christ. Il y a aussi une manipulation au niveau de Bruxelles avec l'OTAN, qui est une armée mondiale. Au niveau aussi de l'Allemagne, parce que les réseaux nazis sont extrêmement importants dans ce qu'on peut appeler le nouvel ordre mondial. Mmh. Et au niveau de la ville de Paris, Paris, la ville lumière, qui est une des capitales philosophiques du nouvel ordre mondial. Donc c'est au niveau de l'Europe qu'a lieu l'essentiel de la manipulation. Et au niveau de l'Asie, la Chine joue un rôle très important dans cette manipulation, puisque, pour faire simple, l'essor de la Chine a été voulu, justement, dans... Et c'était calculé, plan, c'était prévu. C'est calculé, voilà. Mmh. C'est complètement prévu que la Chine arrive au sommet de l'élite mondiale. Parce que la Chine, c'est un blueprint de la société du nouvel ordre mondial. Bien sûr, Paul, vous annoncez des choses, mais j'imagine que vous avez basé vos écrits sur des recherches. Exactement. Comment s'est passé déjà vos recherches et sur quoi vous vous appuyez? Alors écoutez, déjà je m'appuie sur... 20 ans de recherche, puisque j'ai 32 ans, mais j'étudie ça depuis l'âge de 12-13 ans. Mmh. Je me base aussi sur beaucoup de témoignages. J'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens. Mmh. En plus, je me base sur beaucoup de lectures. J'ai beaucoup lu sur le sujet. J'ai aussi une formation scientifique. Je suis biologiste et journaliste scientifique de formation. Mmh. Donc j'arrive quand même à décerner ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et puis je me base aussi sur beaucoup d'intuition et sur la logique. Quand on regarde les actualités, il se passe les mêmes choses, la même diminution des libertés en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Inde. Quand on voit que les mêmes choses se passent dans différents pays, on voit qu'il y a un plan coordonné qui est en train de se mettre en place dans tous les pays du monde. On est cuit ou pas avec ça? Parce que quand je vous écoute, je me dis, bon, on est dans la merde, hein, parce que ça a déjà commencé depuis mal de temps. Ça a commencé depuis très longtemps. Ouais. Alors, si on est dans la merde ou pas, ça dépend de nous. Ouais. Parce que c'est on peut se rebeller, vous pensez? On peut se rebeller. Alors, comment on peut s'en sortir? Déjà, une non-collaboration avec le système, une non-collaboration pacifique, parce que le système, les entités qui dirigent le système se nourrissent de nos émotions de peur, se nourrissent de notre souffrance. Donc, surtout, une non-collaboration pacifique. Toute la violence et tout ça fait le jeu du système. Donc, toujours, non-collaboration pacifique, comment faire pour non collaborer, c'est-à-dire déjà quand une décision nous paraît injuste, ne pas participer à cette décision, et quand au fond de nous on sent qu'on ne doit pas faire quelque chose, ne pas le faire, quand on sent qu'on doit faire quelque chose, le faire. C'est essentiellement ça, la non collaboration. Par exemple, il y a un gros problème à l'heure actuelle avec la vaccinologie. Il y a des parents qui se font retirer leurs enfants parce qu'ils refusent de les faire vacciner. Avant de rentrer à l'école, ouais. Mais si tous les parents avaient les couilles de dire je ne ferai pas vacciner mon enfant ou je ferai vacciner mon enfant si j'en ai envie, le système pourrait rien faire parce que c'est par le nombre, si on est beaucoup plus nombreux qu'eux. Oui, mais on ne peut pas, d'accord, mais on ne peut pas non plus ne pas comprendre que certains vaccins, quand même, ont sauvé des vies. Alors ça, Pasteur, c'est pas un enfant de cœur quand même. Donc voilà, on lui doit beaucoup de choses quand même. Le dogme pastorien est faux de A jusqu'à Z. Il faudrait mieux regarder du côté de Béchamp et du côté du terrain. Parce que pour Pasteur, c'est une médecine extrêmement économique, une médecine de fric en fait. Parce qu'il faut savoir que Pasteur a été mis sur le marché par Napoléon III pour faire concurrence à la chimie allemande, qu'il était extrêmement connecté à un réseau de sociétés secrètes, un réseau franc-maçon. Et le dogme pastorien, c'est essentiellement un microbe, une maladie, un vaccin. Donc ça fait vendre, ça fait vendre, ça fait vendre. Et ça crée la peur. Alors que le vrai dogme, c'est le dogme de Béchamp. Une maladie naît à cause d'un terrain. D'ailleurs, on le voit, quand il y a des épidémies hivernales de grippe, beaucoup de gens vont avoir la grippe et beaucoup de gens ne vont pas l'avoir. Bien dans sûr. Une même famille, parce que c'est une question de terrain. Et c'est ce qui explique que des thérapies beaucoup plus douces, comme l'homéopathie, fonctionnent, parce qu'elles travaillent sur le terrain. Qui est derrière?
Derrière la conspiration médicale ou la conspiration tout en général? En général. Alors, qui est derrière? C'est essentiellement des entités sans âme que certains qualifient de reptiliens, que d'autres qualifient de démons, d'autres encore peuvent qualifier de djinns. Ça, c'est en fonction de la religion, du langage, voilà, de la religion, de la croyance. Mais c'est essentiellement des entités interdimensionnelles qui n'ont pas d'étincelle divine, qui sont de formes d'intelligence artificielle, qui nous manipulent par la peur. Mais alors, attendez, je reprends. J'essaie de comprendre, hein, Paul. Donc, vous me dites qu'aujourd'hui, le projet Bluebeam est donc dirigé par des entités. Mais d'où elles viennent, ces entités? C'est quoi, extraterrestres, pas extraterrestres? Elles sont où dans l'univers? C'est des entités qu'on peut qualifier d'extraterrestres parce qu'elles ne sont pas humaines. D'accord. Mais qui essentiellement vivent dans les interunivers. Les interunivers, c'est quoi? C'est des espèces d'espaces qui sont situés à une autre fréquence que la réalité physique, qui ont d'ailleurs été documentées par une physicienne italienne, Giuliana Conforto, dont je vous recommande le livre « L'univers organique ». Elle les a découverts par, elle a découvert ces univers parallèles, si vous voulez, par l'intermédiaire de photons, de recherches sur la lumière et tout ça. Et ces univers parallèles, il y a des univers qu'on peut appeler positifs et des univers négatifs qui sont incompatibles avec l'existence d'une vie organique, avec l'existence d'une étincelle divine. Et c'est de là d'où viennent ces entités sans âme, ces entités reptiliennes qu'on peut qualifier de démons dans le langage judéo-chrétien. Mmh. On parlera justement des différentes dimensions demain, puisqu'on ouvrira le dossier avec James Carvaljean, si je ne m'abuse. Alors, si je peux rajouter un mot sur ces entités, il y a beaucoup de programmes américains qui ont mené des expériences de voyage dans le temps dans les années 40, 50, 60, 70, 80, qui ensuite sont passés de la clandestinité à la clandestinité encore plus grande à partir de 1983. C'est notamment l'expérience de Philadelphie, le programme Montauk. C'est quoi l'expérience de Philadelphie? Quand vous êtes en train de me dire que, en fait, on a réussi à voyager dans le temps et qu'on ne le sait pas. Il y a un voyage dans le temps qui est pratiqué de manière régulière par le sommet du complexe militaro-industriel, mais il y a aussi le voyage dans d'autres dimensions. Et en fait, l'expérience de Philadelphie, en 1943, ça n'avait pas été un navire qui a été transporté dans le temps, ça a été un navire qui a été transporté dans une dimension parallèle, dans la dimension des interunivers. Et les marins qui ont survécu dans ce navire, l'USS Eldridge, ont décrit des expériences absolument terribles menées par des entités qui ressemblaient à des insectes, avec des faces d'insectes et avec aussi un aspect entre reptilien et insectes. Et ces expériences terribles, c'était des expériences de type médical. Et la dimension où ces marins sont retrouvés était une dimension sans vie, complètement triste, avec un espèce de ciel rougeâtre, extrêmement froide, qu'on peut assimiler à l'enfer de la Bible, au purgatoire de la Bible. Et les marins ont passé plusieurs mois dans cette dimension, alors que sur Terre, à peu près 10 ou 15 secondes s'étaient écoulées. Donc ça, c'est un des premiers témoignages qui décrit les interunivers. Il y a des gens aussi qui ont été victimes de NDE, qui ont décrit les interunivers, comme le docteur Eben Alexander, qui a sorti un livre en anglais, Proof of Near Death, qui sort d'ailleurs en français aux éditions Guitry Daniel, et il décrit ces interunivers, ces dimensions extrêmement froides, beaucoup de gens qui meurent dans un état de vibration basse après des suicides et qui sont ranimés, décrivent ces interunivers. On va dans un instant, on va marquer une pause, parce qu'il faut gagner notre vie, vous le savez bien. On va revenir bien sûr sur toutes ces dimensions, etc. Je vous poserai cette question, pourquoi, puisque certaines personnes comme vous, qui sont initiées, ne le disent pas plus, en tout cas n'ont pas plus accès aux médias. Est-ce qu'on vous boycotte? Est-ce qu'on vous censure? Est-ce que le dogme scientifique, le dogme en général, eh bien vous empêche de parler? On verra cela dans un instant. Et alors dans un instant, enfin du côté de 22h, eh bien nous parlerons des entités, de la matérialisation de ces entités et de l'incorporation par les médiums de ces entités. Ce sera avec Roger Cellier. Le plan secret du diable, un ouvrage dans lequel il est question de la présence reptilienne, du projet Bluebeam, des nouvelles vibrations et de la mise en place du nouvel ordre mondial. Et c'est ce qui nous intéresse ce soir, puisque je reçois l'auteur de cet ouvrage, Paul Ponceau. On va donc revenir sur la question que je vous ai posée tout à l'heure. Les médias, etc. On a la sensation qu'on ne parle pas de tout cela, que tout est un peu caché.
chercher. Et encore une fois, je dirais, ces entités dont vous nous parlez, qui sont sous d'autres dimensions, qu'est-ce qu'elles retirent de ce projet Blue Beam et de cette grande manipulation? D'abord les médias. Alors les médias, de toute façon, sont complètement inféodés. Complètement inféodé à ce qu'on appelle les Illuminati, à ce réseau de sociétés secrètes. Par exemple, il n'y a jamais de petites annonces pour être présentateur aux 20h. Mmh. Quand on est présentateur, c'est qu'on fait partie de certaines sociétés secrètes, qu'on s'est, dans 99% des cas, incliné devant le système, qu'on s'est incliné aussi devant le réseau de sociétés secrètes. Il y a aussi une ligne directrice à dire. Par exemple, dans la presse, on ne peut pas être pro-palestinien, il faut être pro-israélien, pro-sioniste. On ne peut pas dire la vérité sur le 11 septembre, il faut suivre la version officielle qui est complètement débile. Ce qui vous dérange quoi, vous, c'est la liberté d'expression, c'est ça? Il n'y a aucune liberté d'expression dans la presse, en fait. La presse, c'est la propagande du régime, que le régime soit de droite ou de gauche, parce que droite et gauche, c'est la même chose. Alors c'est ce que vous pensez des médias. Heureusement on est là. Donc, voilà heureusement on peut vous permettre de dire toute la vérité. En tout cas votre vérité, je le dis toujours hein. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec Paul, mais en tout cas j'expose et vous disposez. Mais l'important c'est de parler. Alors je le disais, dans ces différentes dimensions que vous annoncez avec ce projet Blue Beam, donc puisqu'on serait manipulé par des insectes un peu reptiliens. Des entités de type reptilien. Exactement, qui ressembleraient donc à ces bestioles-là. Mais il y en a d'autres aussi, parce qu'il y a des entités de type aryenne, des entités de type gris, des entités de type. Donc c'est ce qu'on appelle les extraterrestres finalement. Quand les gens disent voilà, j'ai été enlevé par un petit gris, par un reptilien, tout ça, finalement c'est ça. Alors les enlèvements extraterrestres, donc Marc qui va parler tout à l'heure. Marc Gray, ça sera tout à l'heure du côté de 23h. Eh ben lui, il en dira certainement un petit peu plus que moi, mais moi, ce que je pense en tout cas sur la thématique des enlèvements, c'est qu'il y a deux types d'enlèvements. Il y a les enlèvements qui sont produits par les entités extraterrestres, les entités extraterrestres sans âme, qui ont essentiellement un but d'hybridation et un but aussi de propagande de l'idéologie extraterrestre. Et il y a les enlèvements qui sont dus à au programme de contrôle mental. Ces enlèvements dus au programme de contrôle mental rentrent dans le projet Blue Beam. Ils sont là pour créer des altères, pour créer les grands prêtres de la nouvelle religion mondiale, qui sera basée au moins en partie sur la vénération de ces entités sans âme. Donc il y a les vrais enlèvements extraterrestres et les enlèvements qui sont dus au complexe militaro-industriel, au programme de mind control, et qui paradoxalement sont faits avec la technologie extraterrestre, puisqu'au niveau du complexe militaro-industriel, il y a une collaboration constante avec des entités extraterrestres. Alors j'ajoute que contrairement à ce que pensent beaucoup de gens du milieu New Age, et là je vais être un peu iconoclaste, les enlèvements par leur nature même ne sont pas positifs ni rien, parce que quand on commence à violer l'intimité de quelqu'un, quand on commence à agir sur l'esprit des gens, quand on commence à agir sur les couilles de la personne, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a rien de positif là-dedans, que ça soit fait par des entités extraterrestres ou par le complexe militaro-industriel. Il y a rien de positif là-dedans. Alors Paul, le but en fait de tout cela, la finalité, c'est quoi? Parce que vous m'avez dit que ça a commencé il y a 6-7 mille ans, même bien avant. Donc c'est quoi le but? Alors, déjà parce qu'ils ont mis du temps, parce qu'ils y sont pas arrivés finalement. Est-ce qu'on est rebelle un peu plus? Alors, est-ce que l'homme est finalement pas si malléable? Globalement, si on est dans un état de vibration élevé, on a aucun risque en fait. D'accord. Globalement. Parce que les gens qui meurent sont dans un état de peur et tout ça. Et moi, je ne suis pas dans un état de peur quand il s'agit de transmettre cette information. Je la transmettrai, quel que soit le prix. Voilà. Donc quand je vous écoute, on a la sensation d'être dans Matrix hein, finalement. Exactement, ouais. Exactement. On est dans Matrix. Alors le projet Blue Beam, pourquoi il se met en place maintenant? Pourquoi ça met autant de temps? Parce que justement, les entités sans âme ont besoin du consentement de l'humain pour manipuler les gens. Alors, pour qu'une manipulation marche, la personne manipulée doit consentir à être manipulée. Alors, le consentement peut s'obtenir par le silence, qui ne dit rien consent, ou on peut leurrer les gens à consentir. Par exemple, un des modèles de consentement les plus basiques, c'est la démocratie, ou démocratie comme je l'appelle. Parce que la démocratie n'existe absolument pas et n'a jamais existé. La démocratie, c'est une illusion. À chaque élection présidentielle, on donne aux gens le choix de choisir entre deux partis différents, alors que c'est deux faces d'une même pièce. Par exemple. Qu'est-ce que vous voulez proposer alors? Parce qu'on avait reçu Étienne Chouard également, qui nous avait parlé de tout cela. Je lui avais dit quelle est la solution, parce que ne pas voter, c'est quelque chose
qui moi me gêne, parce que alors je suis peut-être pas initié, je comprends pas tout ce que vous me dites, mais en tout cas moi on m'a donné la possibilité de mettre un bulletin dans l'urne, de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, etc. Et puis je me dis que finalement au cours du temps, on voit encore qu'il y a quand même certains pays qui sont toujours sur un régime de dictateur, et puis d'autres qui sont en tout cas de ce côté-ci de l'Atlantique, plutôt des régimes de démocratie. Alors même si je pense que quand vous me parlez de dictature, c'est la dictature de la finance, etc. C'est ce que vous avez. Mais on est quand même vachement plus libre qu'au Mali, par exemple, pour envoyer que. Vous voyez, ce ouais, on est quand même. Encore qu'au Mali, il y a un génocide qui est en train d'avoir lieu, une guerre coloniale qui est en train d'avoir lieu, parce que quand un régime est à bout de souffle, quand un régime veut détourner l'attention des choses, il envoie les troupes pour des guerres coloniales. C'est arrivé dans les années 70. Vous êtes en train de me dire qu'en fait, c'est pour c'est ouais, un leurre, en fait, c'est ça? Exactement, pour guerre. La politique de François Hollande, c'est ça? Alors, ben, la guerre du Mali, donc justement, on peut en parler. Ça. Pas trop, parce qu'on va surtout plutôt revenir sur le problème Boubi, mais. Non, mais allez-y vite fait. Oui, la guerre au Mali, donc, elle peut s'interpréter à plusieurs niveaux. En premier lieu, donc, c'est un espèce de leurre pour créer une guerre, pour détourner les gens de toute l'austérité économique qui est en train de se mettre en place. Bon, on peut élaborer là-dessus. En second lieu, c'est une guerre pour s'emparer des richesses du Mali. C'est un pays qui est extrêmement riche en pétrole, en hydrocarbures, en minerais. Oui, mais il y a quand même une base au départ. On est là quand même pour les aider. On ne peut pas laisser faire les exactions, tout ce qui se passe quand même en Mali. Mais les gens qui sont derrière les exactions sont financés par la CIA. Les groupes comme ACMI et tout ça sont liés à Al-Qaïda. Al-Qaïda, qui est une création de la CIA, qui a été créée par la CIA dans les années 80 pour lutter contre les soviétiques en Afghanistan, et qui utilisait tantôt comme le gentil, tantôt comme le méchant. Mais alors pourquoi vous me dites? Parce que c'est vrai que moi, depuis que je suis tout gauche, j'ai toujours entendu dire que la CIA était derrière tout. Et pourquoi aujourd'hui on laisse faire encore? Aujourd'hui on laisse faire. Tout le monde le sait, pourquoi on laisse faire? Ben le problème, c'est que ce n'est pas la CIA qui est derrière les choses. La CIA, c'est le bras armé, l'Amérique, c'est le bras armé. Mais ce qui est derrière, c'est des sociétés secrètes européennes. Et les gens le savent, mais ils ne disent rien. Et donc, quand les gens ne disent rien, ils consentent. Parce que les gens sont trop occupés par la bière qui est offrée, par leur match de foot, par leur quotidien, par aller s'envoyer en l'air les week-ends. Mais dites-moi, vous devez être super malheureux, finalement, vous? Pas du tout. Ah bon? Parce que quand vous faites le constat, j'ai l'impression qu'on est dans la merde, que finalement on est totalement manipulé. Et je me dis, comment vous arrivez-vous à avoir votre petite lumière de bonheur? Alors ma petite lumière de bonheur, c'est par mes proches, d'ailleurs, qui est ici. Ma petite lumière de bonheur aussi, c'est par cette recherche, en transmettant cette information aux gens, en leur disant comment se libérer. Et puis en ayant compris qu'il y a autre chose que ce monde de merde, et en ayant compris notre véritable nature, qui est une nature divine, et en essayant de comprendre les règles du jeu. Et les règles du jeu, c'est justement de comprendre qu'on est dans une matrice, qu'on est prisonnier de ce système, de cette lumière artificielle qu'on peut appeler lumière luciférienne, qu'on peut appeler la matrice, qu'on peut appeler l'égrégore. Et le but du jeu, c'est de sortir de ça. La matrice, nous sommes en plein dedans. Des entités seraient là derrière ce projet Bluebeam. Des entités qui n'ont pas un but très, très sympathique à notre égard, Paul. Hein. Exactement. Globalement, leur but, en fait, c'est nous utiliser comme pile électrique. Et le film Matrix est très révélateur en cela. Et à terme, le but, c'est de créer les univers, recréer les univers inorganiques, recréer ce qu'on appelle les inter-univers sur Terre, c'est-à-dire de faire fusionner l'homme avec la machine. C'est la société transhumaniste, et tout cela, ça implique le génocide de plusieurs milliards de personnes. C'est ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, en fait. C'est le nouvel ordre mondial, mais qui est un ordre transhumaniste, eugéniste, avec le génocide de plusieurs milliards de personnes, en particulier les races dites inférieures par les entités qui nous dirigent, parce que ces entités et les Illuminati sont profondément terriens, racistes. Les terriens, on est des races inférieures, c'est ça, par rapport à ces entités? Les terriens, on est à la fois des races inférieures, parce qu'on n'a pas la technologie, mais aussi des races supérieures. Elles nous craignent et elles nous utilisent, parce que si on se réveille, on a l'étincelle divine que ces entités n'ont pas. D'accord. Et c'est nous, et elles nous leurrent à créer notre propre asservissement, notre propre prison, parce qu'elles n'ont pas de capacité créatrice. C'est nous qui créons notre prison pour eux. Mais essentiellement, il y a un atout
fondamental sur la Terre, c'est la race humaine. Mmh. Et la race humaine semble posséder une étincelle divine extrêmement importante. Et en plus, il y a toute cette diversité de vie sur Terre qui, d'après ce que disent certains contactés extraterrestres, ne se retrouvent pas ailleurs dans l'univers. Donc il y a plein de raisons à ça. Alors, maintenant, j'ai envie de savoir comment ça va se passer, en tout cas là dans les années qui viennent, comment ça se passe, quel est le process quoi. Alors le process déjà, c'est notre choix, où on retrouve notre vraie nature avec l'aide des nouvelles vibrations qui sont en train d'arriver, sur lesquelles je reparlerai un petit peu plus tard. Mmh. On sort de la matrice et on retrouve notre vraie nature, notre nature divine qu'on n'aurait jamais dû perdre. Ou bien on c'est quoi cette nature divine qu'on a perdue? Cette nature divine, c'est essentiellement la nature de créateur infini. On est capable de créer notre réalité. On est possibilité infinie. Mmh. On est capable de créer. J'essaie de comprendre, hein, Paul. Créer notre réalité, ça veut dire quoi? On est des êtres créateurs. À un moment donné, avant qu'il y ait eu cette arrivée d'entités extraterrestres sans âme, on pouvait littéralement créer par la pensée. On le peut toujours, mais c'est beaucoup plus voilé et tout ça. D'accord. On est des êtres créateurs, on est capable de tout, et surtout on a notre connexion divine. D'accord. On est possibilité infinie. On va parler de l'ADN dans un instant. Exactement. Parce que je crois qu'il y a un programme à l'intérieur de notre ADN. Restez donc avec nous, c'est passionnant, le projet Bluebeam, le Bluebeam Project, si vous parlez bilingue comme moi. Je parle bilingue, moi, monsieur. C'est comme ça, c'est Tado, mon nom est Bob et je vous dis toute la vérité. Ça réagit énormément, mon Elliot. Il y a beaucoup de questions pour savoir de quoi se nourrissent les entités sans âme. Alors, ces entités derrière le nouvel ordre mondial, globalement, se nourrissent de deux choses. Alors, elles se nourrissent de sang humain par l'intermédiaire des Illuminati, en possédant les Illuminati, et surtout de nos peurs, de toutes nos émotions liées à la peur. Mmh. Et ça explique la recrudescence de rituels sataniques à travers le monde, parce que les réseaux sataniques sont une réalité. Le satanisme, c'est un cancer de la société, c'est ce qui fait tourner les Illuminati. Et les rituels sataniques, c'est quelque chose qui a lieu dans les hôtels particuliers parisiens, les hôtels particuliers londoniens, les hôtels particuliers de New York, les palais de Shanghai. En fait, c'est chez les riches que vous êtes en train de me dire ça, parce qu'un hôtel particulier à Paris, ça vaut 15 millions d'euros. Donc, voilà, c'est même pas chez les riches. Chez les initiés, dans les familles Illuminati, dans certaines loges de sociétés secrètes, c'est un des cancers de la société. C'est un sujet qui est tabou, même parmi les chercheurs de vérité. Mmh. Et c'est un sujet que j'ai envie d'exposer, de dénoncer, parce que c'est vraiment un génocide qui a lieu sous nos yeux. Et attendez, qu'est-ce qu'ils font dans ces rituels sataniques? C'est-à-dire qu'ils tuent pas des gens quand même? Dans ces rituels sataniques, il y a justement une composante de sacrifice humain. Et c'est un ciment qui relie malheureusement le monde de la politique, une partie du monde de la politique, bien sûr. Mais que fait la police? La police est très souvent corrompue par ça, ou est très souvent ignorante. Par exemple, en Angleterre... Enfin, on a les services secrets, on a des gens quand même qui sont de la DGSE, des gens ont des RG, on sait tout aujourd'hui sur tout le monde. On ne peut pas croire, Paul, qu'il y a des gens dans des hôtels particuliers qui font des sacrifices humains, hein, qui se nourrissent de sang, et que la police ne fait rien, et qu'on le sait quoi. Beaucoup de gens dans les services secrets sont complices de tout cela, à un certain niveau. Mmh. Beaucoup de gens à un certain niveau dans la police, et encore une fois, pas tous, sont complices de ça. Mmh. Et beaucoup d'autres policiers refusent même de voir la vérité en face, parce que pour eux, ça paraît incroyable, et pourtant, c'est vrai. Exemple, il y a en Angleterre une affaire qui vient de sortir, qui est l'affaire Jimmy Savile. Mmh. Alors l'affaire Jimmy Savile, c'est en gros une affaire de pédophilie qui implique un ancien présentateur de télévision anglais décédé en 2011, Jimmy Savile. Et Jimmy Savile avait ses entrées au niveau de la noblesse anglaise, de la très haute noblesse anglaise, au niveau d'une certaine famille qu'on ne nomme pas. Mmh. Il avait ses entrées aussi au niveau de beaucoup d'hommes politiques anglais, des deux partis, travaillistes et conservateurs. Mmh. Et cet homme-là est un des plus grands délinquants sexuels du Royaume-Uni. Il a abusé plus de 500 enfants. Pendant 30 ans, il y a eu une omerta totale. Et maintenant, il y a des témoignages qui commencent à sortir, qui disent que Jimmy Savile participait à des rituels sataniques avec des hommes politiques au niveau de l'île de Jersey,
dans certains palais et tout ça. Oh. Et il y a une opération de police, mais qui ne parle absolument pas des connexions politiques, donc qui met en accusation des gens du show business et tout ça, mais qui ne va même pas regarder du côté des politiques, du côté de la noblesse. Alors, ça me rappelle un peu Whitechapel quand même, ça déjà, ça. C'est un petit peu les affaires de Whitechapel. Ouais. L'affaire du trou, par exemple, implique comme une grande partie de la très haute noblesse belge. Mmh. Elle implique aussi un grand nombre d'hommes politiciens belges, des notables de l'OTAN, des notables des Bilderberg. Bon, on a compris que de toute façon, c'était pourri. Hein. C'est-à-dire que là, on est quand même dans le sordide. Hein. C'est-à-dire que le monde politique, voilà. Globalement, le monde, les Illuminati, c'est un système qui est ce qu'on peut appeler satanique, qui est basé sur le sacrifice humain, sur la sexualité dépravée. C'est absolument horrible. Pourquoi ? Parce que l'énergie de peur dégagée lors de ces rituels va nourrir ces entités sans âme qui se nourrissent de nos peurs. Ensuite, il y a d'autres rituels à très grande échelle, des rituels sataniques à très grande échelle, qui font appel au symbolisme. Pourquoi ? Parce que le symbolisme va porter essentiellement la vibration de la personne qui a créé le symbole, et beaucoup de symboles sont créés ou détournés par les Illuminati. Et un symbole, c'est quoi ? Un symbole, ça peut être une figure géométrique, comme le triangle, par exemple. Ça peut être une date, le chiffre 11, par exemple, joue un rôle de symbole, parce que 11 ans, c'est associé au cycle solaire, et les Illuminati ont détourné le cycle solaire. Le symbole du serpent, c'est un symbole qui fait référence aux reptiliens, et beaucoup d'événements de l'actualité sont des rituels sataniques de très grande ampleur. La guerre au Mali, par exemple, est un rituel satanique. Elle a commencé le 11 janvier. L'affaire Mera aussi porte beaucoup d'éléments qui laisse penser qu'il s'agit d'un rituel satanique, avec un début le 11 mars, une fin le 22 mars. On va laisser la fermière, parce que je crois qu'en ce moment, en plus, on en reparle énormément. On va laisser ça, parce qu'en plus, il y a des gens qui ont été touchés là-dessus. Mais moi, j'aimerais quand même qu'on revienne sur le programme donc à l'intérieur de notre ADN. Bon. Alors, c'est quoi ? Alors, dans notre ADN, en fait, globalement, l'homme a été génétiquement modifié par ces entités sans âme. Pourquoi génétiquement modifié ? Parce que ces entités sans âme ont créé ce qu'on appelle le subconscient, ce qu'on appelle l'ego. Et l'ego est extrêmement lié à l'ADN. On modifie l'ADN, on modifie l'ego, et beaucoup de gens sont sous le contrôle de leur ego. Quand on voit les gens dans le métro qui sont dans la routine, métro, boulot, dodo, il y a des gens qui n'ont jamais pensé dans toute leur vie par eux-mêmes, qui sont complètement sous le contrôle de leur ego ou de leur subconscient. Et dans le subconscient, donc dans notre ADN, puisque c'est l'ADN qui commande l'ego, il y a un programme qui fait qu'on peut être manipulé extrêmement facilement, et ce programme, c'est le programme du sauveur externe. Qu'est-ce que c'est que le programme du sauveur externe ? C'est ce programme qui fait qu'on donne notre énergie à quelqu'un d'autre pour venir nous sauver. Et le Blue Beam va faire appel à ça. Essentiellement, les entités sans âme et les Illuminati vont créer un maximum de chaos pour que le chaos organisé. Un chaos organisé pour que les humains demandent l'arrivée d'un sauveur externe, ou accueille à bras ouverts un sauveur externe. Et ça, quand un humain accueille un sauveur externe, c'est un consentement. Et là, les humains consentiraient à être régentés directement par les entités sans âme et au nouvel ordre mondial. Alors, vous dites que vous avez rencontré un homme qui vous a dit avoir été modifié avec l'ADN d'un dauphin, c'est exactement ça ? C'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire que... C'est un programme quoi, militaire ? Un programme militaire qui a eu lieu en France. Et j'ai discuté avec cet homme au cours d'une conférence que j'ai donnée en province. Je ne parlerai pas du nom de la ville. Et au début, je pensais que cet homme me disait des bêtises. Mais je lui ai parlé pendant longtemps et j'ai ressenti une grande sincérité. Et il a expliqué avoir été modifié par de l'ADN, avec de l'ADN de dauphin, dans le cadre d'une expérience militaire. Pourquoi ? Parce que les militaires, le complexe militaro-industriel de haut niveau, a une technologie qui a plusieurs milliers d'années d'avance sur ce que l'on connaît. Et je vais vous dire ce que c'est un peu les technologies. Il y a des technologies de contrôle du climat, le projet ARP, des technologies d'antigravitation. Donc beaucoup d'ovnis sont extraterrestres, mais encore plus d'ovnis sont des armes secrètes du complexe militaro-industriel du nouvel ordre mondial. Il y a une technologie d'hologramme, des créations d'hologrammes qui sont très utilisées dans le projet Blue Beam. Il y a des technologies aussi de clonage humain, de modification de l'humain. Il y a des programmes de création de chimères mi-humaines, mi-extraterrestres.
Il y a aussi des programmes de voyage dans le temps et il y a des programmes de création d'armes à énergie dirigée, par exemple, pour en venir au 11 septembre, qui est d'ailleurs aussi un rituel satanique d'extraction d'énergie qui fait appel à beaucoup de symbolisme de la magie crowleyenne, Aleister Crowley, qui était, et dont la magie est extrêmement utilisée par les Illuminati. Le 11 septembre, ça va bien au-delà de ces histoires de termites et tout ça. C'est un attentat sous fausse bannière qui a été fait par l'utilisation d'armes à énergie dirigées. Et pour cela, je vous invite à aller sur le site du docteur Judy Wood. Alors Judy, G-U-D-Y, Wood, W-O-O-D, W-2-O-D. Et elle démontre de manière scientifique, c'est une physicienne du bâtiment, qu'au cours du 11 septembre, des armes à énergie dirigées ont été utilisées. Donc voilà un petit peu un échantillon des technologies qui sont utilisées par le sommet du complexe militaro-industriel et qui seront extrêmement utilisées lors du projet Blue Beam. Projet Blue Beam qui a beaucoup de niveaux, ça va extrêmement loin, qui fait appel à la fois à un faux messie, à la fois à une fausse invasion extraterrestre. Parce que vous dites à un moment donné aussi qu'il va y avoir la mise en place d'une religion universelle. Exactement. Religion... C'est-à-dire qu'en fait, tous nos dogmes religieux vont tomber là. Tous les dogmes religieux vont tomber. Mais Paul, moi la question que j'ai envie de vous poser, pourquoi tout le temps Satan? Pourquoi c'est toujours aussi sombre que ça? Pourquoi c'est si sombre que ça? Moi je suis là, vous voyez, ça fait 50 minutes qu'on discute. Ça commence à faire peur. Je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer, Sark? Mais on peut. Parce que vous me disiez tout à l'heure, l'homme va se réveiller, en tout cas on peut s'en sortir. On peut complètement. Voilà, mais combien de temps ça va prendre déjà? On peut s'en sortir extrêmement rapidement. Déjà, il y a des nouvelles vibrations qui sont en train d'arriver, qui sont en train d'agir sur les inter-univers, qui expliquent d'ailleurs en partie la mise en place du projet Blue Beam. Ensuite, on peut se réveiller. Quand on veut, il suffit de prendre conscience qu'on est dans une prison, d'identifier notre ego, et théoriquement, on peut se réveiller extrêmement rapidement. Le problème, c'est qu'on a tout un formatage par le système d'éducation, qui est un système d'endoctrinement. On a tout un formatage aussi par les copains. Oh, on peut pas penser comme ça, parce que sinon, les copains penseront qu'on est... Justement, ils disent quoi, vos amis, quand vous leur parlez de tout cela? Alors qu'ils sont pas dans la librairie, hein. Ceux qui sont à l'extérieur. Vous en avez des amis qui sont à l'extérieur de ce groupe-là? J'en ai quelques-uns, mais j'évite d'en parler avec eux parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, c'est des murs de briques. On peut pas leur parler. C'est ce que je dis, cette émission ne peut pas être mise entre toutes les oreilles. C'est exactement. On essaye, mais c'est très difficile. Il y a aussi, je peux vous renvoyer en fait le boomerang, vous pouvez le reprendre dans la tête en fait. Il y a peut-être des gens qui disent, oui, mais ces propos, c'est justement lui, le nouvel ordre mondial, qui fait passer toutes ces idées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous avez une théorie, vous avez un... Là, pour le coup, tout est vachement réfléchi. Qui ne dit pas que c'est vous, finalement, qui êtes derrière tout? Ça, parce que vous comprenez que je peux vous poser cette question. Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, il faut parler de ça parce qu'il faut être complètement au courant de ce qui va se passer. Je donne un exemple. Si on est en train de prendre un pique-nique au milieu d'une voie de chemin de fer parce que tout est beau, tout est magnifique et tout. Si on n'est pas conscient que des trains peuvent arriver, on finit par se faire écraser. Donc la première chose pour se sortir de ça, c'est informer les gens de savoir à quoi on a affaire. Et ensuite, c'est de proposer les solutions. Et les solutions sont extrêmement nombreuses parce qu'on a des aides. On a des aides, je dis bien des aides angéliques. On a aussi beaucoup de solutions au fond de nous-mêmes, en fait. Alors, vous me disiez aussi, lorsqu'on a préparé l'émission, que les Illuminati ont des technologies qui ont des dizaines d'années d'avance. Ils peuvent donc nous envoyer, puisqu'ils nous envoient des choses plutôt pas mal des fois à des quidam, en disant, comme vous et moi, ils envoient des technologies ou des choses comme ça. En tout cas, des gens qui sont... vous me parliez tout à l'heure de ce monsieur là qui faisait en banlieue parisienne de l'énergie propre, etc. Mais ils peuvent balancer aussi des infos qui sont pourries. Alors, ben justement, beaucoup de textes de Chen Ling, par exemple, beaucoup de textes de Chen Ling sont issus du projet Arbre, sont issus du bas astral, sont issus même de manipulation mentale, de déclenchement de programmes de contrôle mental. Par exemple, quand on lit des livres de Chen Ling, je suis dans une librairie, je suis bien placé pour le savoir, il y a beaucoup de livres de Chen Ling, c'est vraiment de la merde, c'est ce qu'il faut dire. Il y a rien dedans, il n'y a aucune spiritualité à l'intérieur, c'est des messages complètement bateaux et tout, donc il y a énormément de désinformation. L'ufologie, par exemple, il y a beaucoup de désinformation qui est balancée dans l'ufologie. Beaucoup de groupes ufologiques sont d'ailleurs tenus
par certaines sociétés secrètes, par certains services secrets, et propage justement la propagande du nouvel ordre mondial. La propagande du nouvel ordre mondial, c'est cette fameuse fausse invasion extraterrestre, alors que l'invasion extraterrestre a déjà eu lieu depuis très longtemps. Et il y a aussi l'autre extrême, c'est des sauveurs extraterrestres pour qu'on délègue notre pouvoir à quelqu'un d'autre, alors que le pouvoir est en nous, ce qui n'exclut pas des aides, parce qu'il y a des aides angéliques, il y a des aides extraterrestres, mais c'est pas des sauveurs. Même moi, j'ai vécu beaucoup d'épreuves il y a 2 ou 3 ans, et pour tenir, qu'on arrivait où j'en suis, il faut une aide extérieure, parce que je n'aurais pas eu la force de continuer. Mais l'aide, ça ne veut pas dire sauveur. Aide-toi, et le ciel t'aidera, dit la Bible. Dites-moi, c'est marrant parce que vous faites référence quand même à la Bible, qui est quand même... La Bible, où il y a beaucoup, beaucoup de trucs sataniques, mais où il y a quelques éléments de vérité à l'intérieur. Bon, bah tant mieux, j'espère, parce que toute bonne désinformation, en fait, va avoir 90% de conneries et 10% de vérité. Il y a toujours de la vérité quelque part. Dites-moi, il n'y a pas un côté parano, parce que c'est ce qu'on nous dit un peu, Nicolas, par contre, dit, est-ce que c'est pas, il n'y a pas un côté un peu parano dans tout cela? Écoutez, vous comprenez qu'on puisse vous dire ça. Écoutez, on peut retourner l'argument. Qui est le plus paranoïaque? Les gens qui pensent qu'il y a des mauvais musulmans qui vont planter des bombes de partout, ou les gens qui s'intéressent au nouvel ordre mondial, qui veulent savoir ce qu'il y a derrière les choses? On rappelle quand même que on dit toujours encore, je le dis toujours, les terroristes, c'est une infime partie de gens qui se disent musulmans. Mais quand même, les gens dans le monde veulent vivre en paix. C'est vachement important de le rappeler. Arrêtez de stigmatiser, mesdames et messieurs, parce que ça fait le jeu de certaines partis politiques. Mais justement, beaucoup de gens font l'amalgame déjà entre musulmans et terroristes. Bah ça, je supporte et pas. Le terrorisme islamiste, de toute façon, n'existe pas. Attention, il faut faire très attention. Exact. Le terrorisme, de toute façon, islamiste, n'existe absolument pas. Le seul terrorisme, c'est le terrorisme d'État, qui a eu lieu donc le 11 septembre, qui a été fomenté par les néoconservateurs américains. Le gouvernement anglais est à l'origine, par exemple, des attentats du 7 juillet à Londres. Tout est gouvernement. En fait, alors pour le coup, c'est la vraie manipulation gouvernementale. On est vraiment des pions, et les gouvernements de tous les pays font ce qu'ils veulent de leurs citoyens et de leurs concitoyens. Exactement. Les gouvernements, comme dirait Guylaine Langteau, le gouvernement gouverne. Guylaine Langteau, c'est la fondatrice du mouvement Personocratia, en fait, qui est un mouvement qui dit qu'il faut qu'on récupère notre propre pouvoir. Alors, juste, on va se quitter malheureusement dans 2 minutes. Vous reviendrez, j'imagine, pour en continuer à en parler. Un contre-plan. Il y a un contre-plan. Qu'est-ce que vous me... Voilà, moi, je vais rentrer chez moi ce soir. Qu'est-ce que je dois me mettre dans la tête? Alors, le contre-plan, déjà. Alors, globalement, le contre-plan, c'est qu'il y a des nouvelles vibrations qui sont en train d'arriver. Si on choisit, par notre libre arbitre, de suivre ces nouvelles vibrations, on peut vraiment se libérer. Ensuite, le contre-plan, c'est notre humanité. On a une étincelle divine, on est 7 milliards, les entités sans âme ne sont que quelques dizaines ou quelques centaines de milliers au maximum. Nous, on est 7 milliards avec une étincelle divine. En plus, si on se donne vraiment les moyens, si on refuse tous de collaborer de manière pacifique avec le système, on peut vraiment arriver à quelque chose. Mais la solution, globalement, c'est vraiment s'aimer les uns les autres, aimer son prochain et essayer de donner l'information comme on peut la donner. Et quand on sent que quelque chose est juste, le faire et transcender nos peurs. Alors vous avez dit quelque chose de très intéressant, aimez-vous les uns les autres, quelle que soit votre couleur de peau, votre religion. Exactement. C'est ça qui est le plus important. Paul Ponceau, merci infiniment d'être venu ici. Je rappelle que vous êtes chercheur de vérité, libraire, conférencier, écrivain amateur, et que vous avez écrit donc Le plan secret du diable à compte d'auteur. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de vous procurer ce bouquin qui est quand même... Il y a combien de pages? Il y a à peu près 130 pages. Voilà. 130 pages, mais relativement grande et écrite assez petite. Voilà, c'est ça. Donc, il y a pas mal de lectures. Merci, Paul.